cliquer sur le bouton. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je suis avec vous pour une heure et demie, un petit peu plus, on va voir, avec Alexis Briclot. Bonjour Alexis. Salut Franck. Bienvenue à toi, bienvenue sur... Tu me vois bien, tu m'entends bien ? Je te vois bien, je t'entends bien, et je pense que tout le monde te voit bien et t'entend bien, c'est ça qui est cool, c'est la magie du incroyable. Live. Ouais, même si on a eu des problèmes juste avant de se connecter, c'est ça. On a eu un petit peu peur. Hein. Enfin, moi, en tout cas. Un peu, mais raisonnablement peur. On essaye de se faire une nouvelle frayeur à chaque fois, mais c'est ça qui est bien. On a pas mal de monde sur le live. Bonjour Stéphane, Yamag, Clément, Greg, Laurence, Troll, Jean Bûcher, Edouard, Daniel, Delphine, Benjamin, Ronan, il y a du monde. Ludovic, Laurence, vous êtes tous venus cet après-midi pour pouvoir découvrir un peu le boulot d'Alexis, pour voir un petit peu ce qu'on va y faire, qui il est, d'où il vient, et puis peut-être tout à l'heure regarder un petit peu comment tu dessines sur cet écran. Ouais. Ce sera pas mal. Si je te demandais, avant même de partager ton écran, de te définir en... Allez, tu as le droit à 15 mots, mais tu n'es pas obligé de les compter. Zut, j'ai un blanc, parce que ça, c'est une question à laquelle je réponds très souvent. Bah, globalement, je fais des images, ouais. Mais des images dans un contexte, en fait, avec une histoire, la narration, et je dis quoi ? Que je suis un storyteller visuel, visual storyteller, je crois que c'est le terme anglais, en fait, qui est utilisé le plus souvent, et je trouve qu'il est un petit peu mieux que le terme français, qu'on pourrait traduire par narrateur visuel. Mmh. Et il y a la notion, je sais pas, de développer une histoire par le biais des images. Ouais. Donc voilà, j'ai carrément dépassé les 15 mots, là, donc j'ai explosé le quota. Non, mais t'inquiète, je sais très bien, je t'ai donné que 15 mots, parce que d'habitude, j'en laisse 20, 30, mais je commence à cerner le personnage. Et j'ai peut-être fait compliqué, juste pour faire simple, en fait, je suis à la fois directeur artistique, concept ouais. artiste pour mm-hmm. le cinéma et le jeu vidéo, et illustrateur, et j'ai également fait de la bande dessinée, et j'ai un projet en cours de BD, donc voilà, plein de choses qui touchent à l'image. D'accord, bah écoute, c'est plutôt pas mal ça. Je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement partager ton écran. Ça va parler aux gens, et puis ils vont voir qu'en fait tu trichais, que tu étais en train de lire ton écran pour savoir qui tu étais. Ben non, j'ai oublié, j'aurais dû en fait. C'est ça, hein, parce que tu l'avais écrit. Attends, je partage, bougez pas, hop, on revient. Je nous ai mis en mode distance sociale sur les écrans. À distance physique, comme ça on est sûr de pas se croiser. T'es en bas à gauche et je suis en bas à droite. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Moi j'ai une petite fenêtre en fait qui est en haut à gauche, donc c'est peut-être pour ça, si je regarde pas l'écran ouais. et que je ne te regarde pas ou que je ne me regarde pas, c'est parce que je... Voilà. T'inquiète, regarde ta webcam quand tu veux parler aux gens et regarde et fais ce que tu veux derrière, t'es chez toi. On est chez toi, on est sur ton écran pour le coup. Non. Tiens, j'allais commencer, ça c'est pour la frime, c'est ma page IMDB. Classe. Donc que j'ai rempli il y a quelques années en fait, parce qu'avant je bossais dans le jeu vidéo, donc là on voit un petit peu tout, si on commence par le bas. Donc j'ai bossé dans différentes compagnies françaises, sur des titres comme Cold Fear, Splinter Cell là, pour Ubisoft, Magic the Gathering, un client vraiment privilégié, enfin, qui m'a beaucoup mis en avant et qui m'aime beaucoup, et moi de même. Je continue d'ailleurs à travailler pour eux à l'occasion, enfin, ça, c'est toujours resté un projet parallèle, mais même si j'ai des activités plus denses, mmh. j'essaye toujours de conserver, de faire des cartes pour eux. Ou, j'ai bossé aussi sur du concept, qui est en relation avec la série télé qui va être qui est produite par les frères Rousseau, là, et qui doit, il me semble, être diffusée en fin d'année. Mmh. J'ai bossé sur du packaging, sur le développement d'univers pour eux. On pourra peut-être y revenir. Ouais, j'ai peut-être pas mal de choses à montrer, là, comment ça se passe. Voilà. Ensuite, il y a Remember Me, donc le studio que j'ai cofondé, avec d'autres associés, là, qui a produit Remember Me, Life is Strange, Life is Strange 2, Vampire, Magic the Gathering. Je vais passer certains titres et tout. Et après, justement, il y a depuis quelques années donc, mon entrée dans le cinéma, notamment avec Marvel Studios. J'ai bossé sur d'autres films avant. Mm-hmm. Je ne sais pas si je vais détailler. Donc là, bah ouais, t'as Thor Ragnarok, Infinity War, Ant-Man et la Guêpe. Ce titre-là, je ne sais pas si on voit mon stylet. On voit ta souris, ouais. Et qui s'appelait Azura quand il était en développement. Donc là, l'histoire, elle est assez drôle. C'est un des plus gros... Sur mon CV, pour la blague, je pense que j'ai le plus gros blockbuster de tous les temps et le plus gros fail de tous les temps. Les deux en même temps, et c'est le même film. Non, pas du tout, en fait. Le plus gros, ça doit être Endgame, justement, la suite d'Infinity War.
Et ce film-là, pourtant, ça a été vraiment génial à développer. C'est un projet de film chinois, essentiellement. Je suis parti à Los Angeles, en fait, alors que le film était en pré-production, super souvenir. Et le réalisateur, en fait, c'était un chef cascadeur, entre autres, et réalisateur de seconde équipe, qui a D'accord. bossé avec Jackie Chan, avec Jet Li, avec Guillermo del Toro, donc sur un paquet de films. Le truc était génial, c'est le soir ou à midi, il y avait pléthore d'anecdotes sur Tom Cruise en tournage, sur les dangers des cascadeurs. Moi, en fait, je prenais des notes mentalement en me disant « Putain, mais faut pas que j'oublie, c'est incroyable, tout ça. » Et on était trois concept artistes avec le réalisateur et un scénariste, en fait, qui était anglais pour le coup. Parce qu'ils essayaient aussi d'ouvrir, en fait, ils reprenaient une grosse légende chinoise. Donc, ils voulaient que le truc soit ancré vraiment dans un terreau ou un matériel de base, en fait, chinois. Mais il voulait ouvrir un petit peu, ce qui fait qu'on était un concept artiste, ben moi français, européen, il y avait un Canadien et un Américain. Et l'idée, c'était de nourrir en fait le développement alors que le scénar même était ben pas écrit. Et le truc qui était génial, c'était. Moi, je me suis super bien entendu avec le réalisateur hein, qui parlait pas un anglais parfait, mais une grosse expérience. Moi, j'ai pas un anglais parfait non plus, entre l'accent, tout ça. Bon, on s'est retrouvé en fait, j'ai le souvenir de gesticuler un petit peu autour de la table. Il y a une anecdote que mes potes le savent, là, j'ai souvent raconté. C'est en fait le gars a bossé sur les chorégraphies des bastons de zut. C'est Jim Traeger? Alors Kick-Ass, non, 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 Non. justement. Kick-Ass notamment, il s'occupait du développement de la petite fille, la Hit Girl, et notamment aussi sur l'autre film de Guy Ritchie, là, si je me trompe pas, plus récent. Mais non, c'est pas Guy Ritchie, je suis con. Kingsman. Oui, d'accord. Sans spoiler, je sais pas si tu vois, il y a un plan séquence dans une église avec. Mais j'ai des trous là, comment s'appelle l'acteur? Colin Firth. Colin Firth, ouais. Voilà. Et là, pour le coup, il nous a montré en fait l'enregistrement de la répétition. Donc c'était avec tous ses cascadeurs, lui à la caméra en plan séquence, tous les cascadeurs étaient en survêt, pas habillés, et la déco c'était des morceaux de carton en fait de tous les côtés. Il avait juste rajouté des effets temporaires, du faux sang, enfin voilà. Et c'était super impressionnant. Tu avais déjà tout le sens, enfin le plan séquence hyper bien rodé, tout ça. Il nous a dit ouais, qu'il pensait que ça allait faire du bruit quand ça sortirait. Et je me souviens d'être allé à la salle de bain. Enfin voilà, ouais, mes anecdotes pourries, pardon. Et je suis revenu autour de la table et j'ai commencé à gesticuler, faire des bruits de combat comme un enfant, à faire des. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais mec, qu'est-ce que tu fais? Tu connais pas le gars, c'est la première fois que tu bosses avec lui. Mais C'est ça. c'était quand même signe qu'il y avait une communication assez super agréable, en fait. Voilà, où ça balançait des idées, il y avait vraiment brainstorm. Et j'ai failli lui écrire quand le film est sorti en Chine pour le féliciter. Et là, j'ai lu sur le net qu'en fait, ça a été un fail. Le film a coûté plus de 115 millions de dollars et il est resté 3 jours seulement au cinéma. Ah Et il oui. a été retiré en urgence. Et il n'a Pourquoi? jamais été remonté. J'avais creusé un petit peu, mais du coup, je ne l'ai jamais vu. Il y avait juste un teaser qui est sorti. Ils ne se sont pas tirés une balle dans le pied, mais c'est extrêmement délicat puisque dans leur cast, en fait, je crois qu'il n'y avait qu'un caucasien, c'est-à-dire peut-être un seul acteur américain, mais ce n'était pas la tête d'affiche. Et du coup, c'est vraiment axé sur la culture chinoise. Et moi, quand je vois le trailer, je me dis qu'effectivement, c'est vraiment un produit. Là, je parle de produit. Je dépasse le cadre de. Je ne connais pas les qualités narratives du film ou autre, qui est extrêmement difficile à placer en dehors de la Chine. Du coup, ils ont tout misé sur la Chine. Et je crois qu'il y a deux autres films qui sont sortis en même temps. Ils se sont fait troller. Et apparemment, le film lui-même n'avait pas les qualités. Qu'ils espéraient sur Ouais. ce genre de contenu. J'ai une autre anecdote aussi. C'est que quand on faisait une revue avec le réal, en fait, au téléphone après, parce que j'ai bossé de chez moi pour la suite, je lui ai demandé deux amendements à mon contrat. Le premier, c'était d'avoir un rôle de figurant dans le film. Et le deuxième, c'est d'avoir une session d'entraînement avec le maître lui-même, donc avec lui. Mais c'était pour la déconne, parce que je lui ai dit, ouais, si je me pète la main ou le bras, Je peux moi, plus je suis plus travailler. emmerdé. Ouais, exactement. Et bon, ça l'a fait marrer. Il m'avait dit, ouais, justement, que si je venais sur le plateau, ça s'est jamais fait après, mais c'était plus. Donc, ouais, il y avait une bonne entente. Et là, je suis peut-être rentré dans des micro-détails et mes petites Grave. anecdotes. Je sais pas si je suis. Non, alors c'est pas mal parce que du coup, ça permet à Sabrina dans le chat de nous dire, mais il y a trop d'infos dans ton cerveau, Alexis, le disque dur est en train de cramer. Et je suis assez d'accord. Et Pierre nous dit en parallèle, c'est maintenant que tu peux balancer les dossiers sur Tom Cruise et autres. Donc je pense qu'on te suit, mais si tu veux, on revient sur ton ArtStation et tout, sur un endroit plus posé, parce que t'as un peu crâné avec ton IMDb, avec le plus grand film du monde. M. Ouais, donc Vas-y, voilà, ouais, Endgame. monte des images. De quoi, de Endgame, justement? Non, ou de, en tout cas de ton ArtStation, quoi, pour Mais moi, je préfère les anecdotes avec Tom Cruise, Jet Li, j'en ai plein d'autres, hein, les plus sympas. Donc ouais, mon ArtStation, il est pas forcément plein, comment dire,
Parce que je l'ai commencé sur le tard et j'ai pas rempli. Bah bref, on s'en fout, il n'y a pas mes Ouais, vinyles. t'as pas rempli, Du mais il coup, y a quand même 6000 dessins de plein de films différents et de plein de... bon, je vais commencer avec le cinéma. Après, il y a beaucoup de travaux d'illustration là en dessous. Ça commence par quoi? Bah, si j'avais, je te dis, une petite masterclass. Bah oui, ouais, ou fais ce dossier-là. C'est toi qui vois, c'est toi le Je vais peut-être chef. commencer avec le premier. Ça, c'est Patrick Lepoulet. Ça, c'est ma BD. Ça, c'est, voilà, Trop bien, on Marvel. parlera de Patrick Lepoulet tout à l'heure. Et les gens, ils n'en peuvent plus, là. Je pense qu'ils attendent impatiemment. Ah bah tu Je pense m'étonnes, qu'ils parce sont que... venus pour ça, quoi. Ça, c'est le Non. premier job. C'est le premier job que j'ai eu, justement, avec Marvel Studios. Et pour la petite histoire, peut-être faire rapidement. En fait, à la base, c'était pas Marvel Studios qui m'a contacté, c'était Marvel TV. Donc, sur les séries. Donc, je trouve très bonne qualité, là, Daredevil, Luke Cage. Ensuite, il y a eu le Punisher, il y a eu Defenders, il y a eu Jessica Jones. Un peu, enfin, moi, je suis moins fan d'Agent Carter et Agent of Shield. Et j'étais allé boire un verre avec un de mes meilleurs amis, Jean-Luc Cano, qui est le scénariste de Life is Strange, entre autres. Je rentre chez moi, en fait, et là, j'ai un mail qui me dit, écoute, tu sais pas, mais t'es sur la shortlist des directeurs, comment ils disent, directeurs créatifs sur le plan visuel pour les séries télé. Sympa. Donc, voilà, ça voudrait dire, en fait, que tu bouges à Los Angeles. Il m'avait envoyé un plan, en fait, du lot, là où il y avait le tournage, là où je pourrais, en fait, habiter, tout ça, pas mal d'autres détails. Il me demandait si ça m'intéressait. Donc, je leur ai dit, bah non. En fait, non, pas du tout. J'étais super excité parce que moi, s'il y avait un gros changement, comme je dis avant, en fait, j'ai monté le studio Dontnod, j'ai bossé dans le jeu vidéo et dans rien. Mais un des premiers amours, en fait, c'est le cinéma. Notamment quand j'étais gamin, justement, je sculptais des prothèses en latex, j'essayais de faire des maquettes dans le jardin, je posais des prothèses sur ma frangine. J'étais vraiment fasciné par ça. À la base, ouais, un gros impact du cinéma fantastique. Puis ensuite, en mûrissant avec l'âge et les centres d'intérêt qui changent, bah, c'est le cinéma de façon générale, le fait de raconter des histoires, de créer de l'émotion. Et donc, il me demandait si j'étais chaud, et on a fait plusieurs conf calls où je leur ai demandé, voilà, comment ça se passait, qu'est-ce que vous recherchez exactement. Donc j'avais un petit questionnaire en fait, et j'ai posé à la productrice, c'est la productrice de Daredevil, est-ce que ce serait bosser avec les costumiers? Elle me disait oui, bien sûr. Est-ce que ce serait bosser avec les chefs déco en fait de la série? Oui, bien sûr. Avec les showrunners? Oui, bien sûr. Est-ce que ça serait aller sur les plateaux de tournage? Et en fait, il y avait toutes les cases qui étaient cochées. Et pour moi, c'est un petit peu l'inconnu, parce que je fabrique des images, mais chaque discipline, que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma, voilà, il y a des choses à savoir. Comment dire, la pré-production, c'est pas la même chose qu'en fait de la production quand t'es sur le plateau, tout ça. N'empêche que j'ai pris l'avion pour aller lui rendre visite. Et non, justement, au dernier moment, en fait, elle m'a dit que ça se faisait pas. Et en fait, moi, la plus grosse problématique, c'est que je venais d'acheter un appartement. Pour bouger, il fallait la carte verte, la green card. Et puis, Ah ouais, c'était c'était... un gros, gros changement. Et je pense que eux, elle était incapable même de savoir s'ils avaient besoin de monter une équipe. Moi, là, ma problématique, c'était est-ce que je dois bosser solo ou alors c'est aussi du management? Que je peux apprécier, mais je courais pas forcément après. Du coup, je pense qu'ils ont fait au plus simple et qu'ils ont pris quelqu'un à Los Angeles, là où ça fourmille de concept artistes, là où tout se passe. Donc moi, je suis un petit peu, c'est un petit peu spécial vu que je travaille à distance. Je lui ai rendu visite. On est allé sur le plateau de Agent of Shield où j'ai super kiffé. Mais tu vois, les anecdotes, c'est qu'à un moment, elle m'a mis dans le fauteuil qui est juste derrière la script et le réalisateur, et je voyais plein de gens s'agiter. Je voyais un cum à l'arrière-plan avec la machine à fumer en train d'agiter le truc et tout. Et je me suis dit, merde, putain, si c'est mon job, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a aussi des trucs à savoir sur le cinéma américain qui est extrêmement codifié. C'est-à-dire, par ma chef machinot, jamais il va toucher un câble, C'est sinon il ça, y a une. chaque métier est hyper syndiqué et ils font bien gaffe à ce que chacun respecte le métier de l'autre, c'est ça, hein, c'est Exactement. Et par exemple, le réalisateur, en fait, il ne doit pas parler à un figurant, parce que sinon, le figurant, il rentre le soir, il appelle son agent et lui dit, voilà, le directeur m'a donné des informations et des directives. En fait, précise à moi, donc je ne suis plus seulement figurant, je deviens acteur. Bref, c'est hyper codifié. Et donc j'étais là dans le fauteuil en train de me dire, putain, moi j'aurais envie de rajouter de la patine sur le mur, là, le mec derrière, vas-y, balance plus de fumée. Bref, on s'emballe un petit peu. Et donc finalement, ça s'est pas fait, mais je suis passé rendre visite à Andy Park chez Marvel Studios. Je lui avais écrit, en fait, apparemment il était fan de mon travail, il connaissait mon boulot d'illustration, et il m'avait demandé, puisqu'il recherchait les artistes, si je faisais du concept art. Et donc, vu qu'il connaissait que la facette illustration, bah, c'était merveilleux pour moi, puisque je lui envoyais des gigas et des gigas de concepts que j'avais fait pour du jeu vidéo, tout ça. Et donc, ça s'est fait quasiment dans la foulée, même si j'avoue que j'ai un truc un petit peu spécial, vu qu'il y a le jet lag, je suis français.
Et enfin, français, ça n'a rien à voir, en fait, c'est pas ça, mais du coup, c'était un petit peu délicat malgré tout, quoi. Ouais, c'est nouveau, puis enfin, tu peux y aller vraiment en mode voilà, j'ai fait ça et ça se tente, Ouais. et tu rentres chez Marvel. Exactement. Cool. Du coup, j'avais droit à la petite visite du. Pas du studio de tournage, en fait, mais du studio de pré-prod, donc très cool. Et donc, mon premier job, tu vois mon écran, là, en fait, c'est ça? Ouais, on est sur ton écran. Alors, je vais continuer. Attends, je vais ouvrir. C'était sur Thor Ragnarok. Et bah, Alors, l'image qu'on avait en fond, c'est les trois propositions. Alors, peut-être pas la quatrième, mais ce que j'ai fait la première semaine. J'étais aussi bien excité, là, de commencer sur ce taf. Donc, voilà, de fournir pléthore d'images, là, et pléthore d'idées. On pourra peut-être y revenir pour les gens qui sont intéressés, parce que justement, la différence entre. Enfin, c'est pas une des différences, mais il y a une spécificité dans, pour moi, ce qui est le concept art. ouais. C'est pas seulement l'art, le polish, faire une belle image, mais c'est aussi développer des bonnes idées. Pour moi, c'est peut-être une partie du job en fait que je kiffe grave. Je sais que bon, ça va peut-être être prétentieux, mais Marvel, s'il bosse avec moi et qu'il m'aime autant, c'est en partie à cause de ça. Il y a un truc que je pourrais pas montrer et je regrette un petit peu parce que je l'ai fait que sur les derniers films, mais c'est un mélange de. Ils m'ont appelé pour plusieurs trucs en fait, de storyboard. Mais c'est pas du storyboard, comment dire. C'est pas le story qui sera utilisé en prod ou en animatique. Non, c'est pas le storyboard hyper développé, c'est-à-dire où ils m'en envoient de temps en temps et c'est magnifique. Enfin, ils ont des putains de storyboarders. Il y en a parfois, en fait, tu vois, je reçois 300 frames, tu passes les images les unes après les autres, il manque que la musique. Moi, je fais les Ça. bruitages à la bouche et tu as déjà une prévisualisation énorme, en fait, du film. T'es dedans, en fait. Du coup, moi, c'est pas ce travail-là, c'est plus C'est des plutôt un séquenciers gros pré-prod. découpage, quoi. Ouais, alors parfois ça peut être sur des effets spéciaux ou une problématique de combat, c'est-à-dire trouver comment un personnage en fait il se déplace. Donc en fait l'idée c'est pas de, par exemple pour moi, de mettre au point une chorégraphie précise, mais c'est de trouver du sens par rapport à ça, par rapport aux outils qu'il a. Récemment ils m'ont balancé, j'avais la fin d'un film et ils trouvaient que ça manquait de quelque chose. Et du coup bah, l'idée c'était juste, bah, comment dire, je suis pas script doctor, hein, tu vois, c'est Ouais. pas mon rôle. Mais c'était de voir, voilà, s'il n'y avait pas un truc à faire. Et du coup, ça, c'est aussi une des particularités ou une des facettes du métier que je kiffe grave. Bon, j'aime bien aussi designer un personnage, un gros strum comme celui qu'on a à l'écran. Je vais peut-être y revenir pour avoir le brief là. Tu m'arrêtes ou n'hésite pas à Ouais, contrôler si t'inquiète, je t'inquiète. parle trop si L'instant, je je pense que diffus. tout le monde est suspendu à tes lèvres. Il y a Gary qui souhaitait des anecdotes, et il y a Pierre qui nous disait, tu peux toujours raconter les anecdotes en faisant défiler les images. Donc, il n'y a pas de souci, le public est avec toi. Ouais, mais comme je suis, je me concentre sur ce que je dis. Et puis oui, j'avais promis des anecdotes croustilles dorées, mais j'ai déjà commencé là. Il fallait venir au début. Il y a eu du Tom Cruise. Du coup, le brief, en fait, comme ça peut m'arriver, en fait, c'est genre, je dois travailler sur le personnage qui s'appelle Surtur. Ça, c'est une des premières incarnations du personnage. Mais objectivement, on parle d'un film qui est sorti en 2018. C'est hors de question d'avoir un bodybuilder en slip, tout rouge, avec des flammes par-dessus. Et l'idée, c'est comment, toujours en fait, dans mon travail avec Marvel, entre autres, c'est comment rester fidèle aux matériaux de base, c'est-à-dire que le public le reconnaisse, ou surtout conserver l'essence du perso, c'est-à-dire c'est à moi de comprendre en fait d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, tout en apportant voilà, quelque chose de neuf. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai développé aussi au fur et à mesure. C'est en général, quand je bosse sur un perso, dans toutes mes propositions, j'essaye d'avoir une proposition qui est toujours hyper fidèle à ce que les lecteurs connaissent. Le look du personnage dans les comics, et parfois ben, je lâche les chevaux et je vais un petit peu plus loin et j'essaie de travailler sur des choses que j'aurais envie de voir moi, qui me surprendraient. Il y a un truc aussi que j'adore dans le cinéma, c'est l'art de l'illusion. En fait, on pourrait parler de Méliès, les débuts du cinéma, en fait, qui étaient extrêmement proches et liés voilà, quelque part à la prestigitation. Et c'est toujours. Comment dire, c'est des photogrammes qui défilent sur un mur avec de la musique en fond et on crée les émotions, on crée l'illusion en fait de rentrer dans un monde à travers une fenêtre, dans un autre univers. Donc là, il y a quelque chose de passionnant. Et donc pour revenir à mon gros bonhomme en slibard, voilà une autre incarnation plus récente et idem, c'est hors de question. Dans le brief, en fait, dans les intentions de Marvel, il y a quand même toujours chez eux, je trouve, une intention qualitative assez cool. Notamment dans mon brief, c'était évite de faire un gros monstre rouge avec des cornes, comme on a vu dans d'autres films. Donc je crois qu'à l'époque, il y avait eu, comment ça s'appelle? Percy Jackson. Je crois qu'il y avait une grosse créature de flammes comme ça et tout. Donc ça va être assez drôle par rapport à bah, quand je vais montrer le design final.
Là, c'est un petit aparté sur comment je bosse en général. C'est avant de partir. Donc là, j'aime pas, je fais de la promo pour les GAFA, c'est vraiment pas bien. Donc je vais changer d'image direct. Mais l'idée, c'est de creuser à la fois le personnage. Ça, c'est un truc que je fais depuis quelques années, des mind maps. Donc c'est-à-dire, si j'ai le temps, parfois c'est vraiment trop à l'arrache et je peux pas me le permettre, mais moi, ça me fait gagner du temps également. C'est je pose sur un de mes carnets comme ça une petite mind map, donc une mise à plat en fait de mes idées, mais c'est le moment aussi où je les agrège en fait les idées. Donc je vais rechercher sur le net, tu vois là j'ai le sorteur, donc je vais sur le Wikipédia Marvel, les infos qu'il y a, je vois que c'est une des créatures les plus vieilles de l'univers Marvel, qu'elle est consciente, c'est-à-dire elle est pas, c'est pas seulement un animal, c'est pas une créature de feu en fait avec un tempérament, comment dire, seulement belliqueux. Mais elle est intelligente, du coup il y a la notion de culture qui vient se rattacher à ça. Je vais essayer de montrer un petit peu là pour le coup tout ce que j'ai. Croûte terrestre, structure en squelette, ça pourrait commencer comme des os et le corps pourrait se former. Donc là j'ai une petite référence à l'artiste Beczynski, je ne sais pas si je l'ai marqué. Là il y a du Gunther von Hagens, la chiroplastie. C'est-à-dire, là, je vais peut-être un petit peu vite dans le détail, parce que j'avais aussi d'autres informations, d'autres intentions du réalisateur. Et l'idée, c'était d'avoir la première apparition, le reveal du personnage, en fait, où il est complètement statique et il se mettrait à bouger, c'est-à-dire de passer d'un état statuesque à bah, du mouvement. Voilà, Musée Fragonard, vas-y, je te mets des trucs pour faire le mec cultivé. Là, le truc le plus intéressant, peut-être, par contre, ça peut être la notion de feu. Donc, j'ai un gros bonhomme en slip avec du feu, mais le feu, il y a plein, plein de façons, en fait, de l'évoquer. Donc là, j'ai marqué quelques trucs, mais ça peut être du plasma, ça peut être un bras zéro, ça peut être des étincelles, ça peut être de la lave, ça peut être de la lave séchée, lave en fusion, ça peut être, j'ai parlé de plasma, ça peut être une éruption solaire. Et du coup, à partir de la même idée de base, en fait, et ça fait partie du job, c'est ce que je te disais là par rapport à Concept Art, c'est que tu peux envisager un paquet d'éléments différents, quoi. C'est ça, et tu peux réactualiser justement un personnage qui a 20, 30, 60 ans, voire plus pour certains, et lui redonner un côté actuel juste en te basant sur tes recherches, quoi. Bah ouais, un côté un petit peu plus moderne, tout en restant fidèle à justement à l'essence qu'il est, ce qu'il est. Bon, après, j'ai des informations, bon, c'est assez sectorisé. Hein. Avec le temps, je suis super content parce que bah, quand je travaillais sur Infinity War et puis Endgame, là, j'ai eu, je bossais sur le costume, le Time Travel Suit. Donc forcément, là, pour le coup, ils ont été obligés de me briefer sur le scénario complet. Donc j'étais dans les petits papiers, c'était assez cool. Mais il y a sur d'autres films, en fait, où je bosse sur un perso et j'ai absolument pas d'informations sur quel va être son rôle dans le film. Pour moi, pourtant, c'est essentiel, comment tu le construis, comment justement il va apparaître, bah, ce qui s'imbrique en fait dans une narration, il a un rôle à jouer. Du coup, c'est toujours un petit peu délicat. Et pour venir à cette mind map, ouais, c'est mon petit exercice, là on ne voit pas forcément. Du coup, j'ai plein d'idées. Là, je t'ai parlé de feu, là, je t'ai parlé, il y a peut-être des choses aussi que je n'ai pas forcément notées. Il y a la notion, comme je te disais, de s'il est intelligent, bah, il a peut-être, comment dire, pas des référents culturels, mais des éléments sur lui qui peuvent l'inscrire dans une certaine culture et civilisation. Peut-être aller piocher dans des armures gréco-romaines ou des armures anciennes, ça va créer un lien avec, ça c'est d'autres mind maps, ça va créer un lien avec bah, le spectateur. Voilà, notamment, bah, c'est une de mes recherches, où là tu vois clairement, je me suis basé sur une armure gréco-romaine, un petit peu stylisée, donc c'était une recherche rapide, on va dire. L'idée aussi, la créature, donc je lui conserve ses cornes, et comme il est extrêmement vieux et qu'il a un rapport un petit peu pas usé, ça s'est affiné après au fur et à mesure des informations que j'avais. Je me suis dit qu'il a un feu presque cosmique tellement ardent à l'intérieur de lui, en fait, que bah, avec certaines batailles, il a perdu des bouts. Donc le bonhomme est troué, il y a des bouts qui flottent, mais il y a cette espèce de puissance, de force intérieure qui est toujours présente et qui anime le personnage. Et là, du coup, tu vois, je suis un petit peu éloigné, mais j'ai quand même toujours une structure d'un mec baraqué. Donc pareil, tu vois. J'ai pas fait le mec torse-poil comme sur les versions que j'ai montrées avant, mais je garde en fait des référents anatomiques ou sur le plastron, bah, typiquement antique, la gréco-romain, il y a quand même l'anatomie qui est soulignée. Du coup, C'est ça me permet de souligné pour cocher le truc et tout. protéger, Voilà. quoi. Le mec, je le mets pas en rouge, je le mets un petit peu en violet, là, très très léger, mais c'est surtout le feu en fait qui joue autour, qui va créer la liaison avec Surtur. Ça, je suis parti un petit peu plus en sucette, c'était la notion en fait de lave. Du coup, je jouais avec le côté lave séchée et bah, la lave qui est toujours incandescente. Je sais pas si tu vois, en fait, justement, quand la lave, elle se développe et quand elle sort d'un volcan, bah, au centre, elle est toujours. Mon image est vraiment toute petite, là, toute rikiki, mais elle est toujours
très très chaude. Et plus elle se rapproche en fait des de la surface du sol, de la surface à côté, bah plus elle refroidit. Donc différent, il y a différents états. C'est-à-dire que tu te mets à faire de la thermodynamique en plus du dessin. Ben c'est un truc qui est aussi passionnant effectivement dans le concept, c'est que y a plein de choses que je sais pas forcément, mais comme je te disais aussi, bah après c'est des informations que j'agrège et que je peux me resservir en fait. Plus j'accumule de culture et de connaissances. Plus ça me permet d'être réactif et d'être rapide quand je bosse sur un projet. Mmh. Je sais qu'avant, tu vois, des fois, je vais devoir creuser un truc. Ouais, bah là, j'y pense. Là, je bossais sur un projet et j'ai eu la chance de... Comment dire ? Bim, c'était un sujet que je connaissais, sur lequel j'avais fait des recherches ou lu des choses et ça embraye. Et j'ai pas de temps... Enfin, je perds pas de temps parce que j'ai déjà plein, plein de connaissances sur le sujet. Donc, toi, par contre, bah, je suis comme une crotte et j'y connais que dalle. T'es obligé de passer du temps de... Voilà. Comme tu disais, de Wikipédia, de Google, de... aller chercher des infos sur les astronautes, sur les pilotes de chasse, sur machin truc. Et c'est un truc aussi à la con, mais c'est un truc qui permet de grandir humainement. Et c'est un machin que je kiffe. Voilà, c'est une autre facette du métier. Ça va, je suis pour les gens, je suis spécifique. Carrément, tout le monde est super content. Il y a Pierre qui a posé une question dans le chat. Est-ce que tu as déjà édité tes croquis en artbook? Et Stéphane lui a répondu en lui balançant le lien du artbook. Celui, avec, j'allais dire, avec des flammes dessus, mais il y a beaucoup de personnages avec des flammes dessus. World and Wonder, donc un pas tout neuf. Non, il a 10 ans maintenant. Et Gabriel vient de le commander, donc tu vois, la boucle est bouclée, ça avance vachement vite. Eh bah super, c'est gentil. J'ai un autre, là avec le coronavirus, là ça a posé problème, mais juste la veille du confinement, j'étais en discussion avec un éditeur pour refaire un deuxième opus. Donc une grosse, grosse remise à jour. Et comme je dis, ouais, le bouquin, je crois qu'il est sorti 2010. Donc ouais, j'aurais 10 ans de taf en plus à mettre dedans. Donc j'ai pas le droit de tout mettre. Ouais. Et voilà, mais là, ça a pris un petit peu stand-by, mais ce serait cool. C'est ça. Après, si les éditeurs se rendent compte que les lecteurs achètent quand même les livres et se les font livrer, peut-être qu'ils vont se remettre en marche quand même. Peut-être, peut-être. Puis l'activité aussi de l'éditeur en question... J'ai une question de Julien Serror qui me demande, est-ce que Alexis envoie ses notes à son client, vu que c'est écrit en anglais? Bah oui, il y a toujours un échange, ouais. Quelques conf calls, en fait. Mais donc là, c'est plutôt... Ouais. Parce que le carnet en tant que tel, ton client ou la personne avec laquelle tu travailles voit le carnet, ou tu lui digères ça quand même avant? Alors c'est un petit peu particulier, je pense que je vais être un des rares à le faire, mais en gros mon client à la base il s'en fout de mes conneries dans mon carnet. C'est-à-dire la mind map, il en a un peu rien à taper. Lui, ce qu'il veut en fait, l'objectif, c'est d'avoir des images. Et après il y a deux choses à savoir aussi, ça peut dépendre des clients, mais là par exemple j'ai un intermédiaire qui s'appelle Andy Park, qui est un artiste, concept artiste lui-même, et donc qui est également dans la profession. Parfois ça va être un producteur ou quelqu'un qui s'en fout de mes problématiques techniques. Avec Andy en fait, je sais que je partage et je sais qu'il kiffe. Parce que, comme je lui dis, en fait, comme on travaille en équipe, c'est que je le nourris aussi. Quand il part en réu, en fait, s'il y a des sujets sur lesquels j'ai pensé, bah, j'ai pas forcément les images, mais parfois, bah, il y a quelques idées qui sont là. Et c'est déjà arrivé, il m'avait dit, là, sur Thor Ragnarok, avec Taika Waititi, là, j'ai sorti les références. Et en fait, ça avait matché, puisque Taika avait sorti les mêmes en réunion. Et du coup, moi, ça me permet de gagner des points. Andy, ça lui permet de gagner des points. On avance plus vite. Et aussi, il y a l'idée, voilà, j'ai des idées que je ne vais pas pouvoir développer, et entre guillemets, je les balance. Et si on dit, bah, les reprend, ou ça fait partie du job, quoi, ou les rebalance à un autre coéquipier, on va dire, bah, voilà, c'est tant mieux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage le job. Ouais, c'est un cercle vertueux. Tu t'inspires, tu cherches des infos, les autres font pareil, et vous nourrissez mutuellement, quoi. Ben, j'ai pas vraiment de contact direct avec les autres artistes, donc en fait, c'est peut-être plutôt dans un sens. C'est moi qui balance et qui nourrit la machine. Mais je sais qu'en fait, la plupart du temps, mes intermédiaires apprécient. Souvent, j'essaye aussi de faire, donc j'envoie ma mind map, mais comme tu l'as vu là, en fait, si je te fais pas les commentaires, c'est rigolo, il y a quelques idées, mais c'est un peu du gloubi-boulga. Donc, ça m'arrive aussi parfois de me faire un mémo que je partage en fait par mail, donc en anglais, où j'écris une synthèse de tout ça. Donc, parfois, la personne en face, bah, elle est réactive, elle va rebondir par rapport à ça, en me disant, ouais, très bonne idée, tiens, ça me file telle idée, tout ça. Avec Andy, c'est souvent le cas, et je sais qu'il kiffe, donc c'est... assez agréable. J'ai une question, alors je rebondis pendant que tu raccroches. Ronan Le Fur me demande, à ton avis, est-ce qu'il faut être fan des produits Marvel pour travailler avec eux? Moi j'ai commencé avec les comics Marvel, donc c'est plutôt un avantage, vu que je suis client et que je connais l'univers, les personnages, donc j'ai déjà des affinités. Je pense que quand j'étais petit, tu vois, j'ai commencé à dessiner avec...
Tu vois, je l'avais dans ma presse, je passe très vite, mais c'est pour teaser. Vous ne verrez pas tout, parce que je ne viens pas la faire là. Voilà, ça c'est le premier numéro qu'on m'a offert. J'étais en vacances, vacances d'été, tout ça, et grosse claque dans la gueule. Scénario de Chris Claremont, dessin de Marc Silvestri, ancrage de Dan Green, découverte des X-Men à l'époque où j'étais adolescent. Donc c'est aussi toute une métaphore de la différence, l'ostracisme, se sentir différent, voir son corps qui change, tu vois, ce genre de choses. Donc gros impact chez moi. Du coup, bah, après j'ai été ferré, donc j'en ai bouffé beaucoup. Mmh. Et oui, clairement, en fait, ça me permet d'être, de savoir de quoi on parle. Mmh. Par contre, je pense qu'il ne faut pas être obséquieux et puis pas être le perso, il était comme ça ou il a toujours été comme ça. Comment dire ? Parce que sinon, ça restreint ou ça réfrène en fait le développement. Ouais, c'est important d'avoir la base et la compréhension du truc, mais ça ne doit pas être une limite en fait. Non, parce que tu vois, ça m'arrive aussi de bosser sur des projets que j'aime pas. Je vais être franc, en fait, il y a des projets où, pas que j'aime pas, mais bah, tu vois, ça m'est arrivé il y a quelques temps, là, pareil, où quand je suis dans le fer, en fait, j'arrive à retourner la situation et me dire, ok, c'est un job, je mets ma casquette de pro et il y a des choses intéressantes à en faire. Mm-hmm. Par contre, je suis là et je me dis, ouais, le projet, je ne suis pas plus fan que ça, je ne vais pas être client. Le développement, c'est des idées de base, en fait, déjà vues, c'est un truc consensuel. Moi, j'aurais envie de faire autre chose, là, et clairement, je préférais passer du temps à bosser sur ma BD, un peu plus intimiste, et avoir des choses à raconter que bosser sur un gros truc comme ça. Mais encore une fois, ça fait partie du job. J'essaye de retourner la situation et de voir les points positifs. Et, parfois, ça va être juste dans le faire, en fait, où je vais pouvoir avoir un petit défi, changer de technique, aborder une thématique un peu différente, expérimenter quelque chose, et puis, ouais, avoir au résultat une image qui soit sympa. Je lis pas tous les commentaires en fait là parce que j'ai un petit peu perdu, bah, je te filtre les commentaires, sinon tu vas passer ton temps juste à lire le chat et tu peux pas choisir les images, parler, rajouter les anecdotes et répondre à toutes les questions. Adam me dit: salut Alexis, c'est quoi le meilleur moyen de se faire embaucher dans ce genre de prod en tant que concept artiste junior? Bisous de Benjamin Carré. Ça doit être un message perso. Ça dépend quel prod tu entends. Mmh. Parce que Marvel Studios, c'est quand même ils recrutaient il y a quelques temps, mais c'est le truc c'est le Graal, c'est le Graal, c'est la plus grosse industrie de tous les temps. Marvel Studios, ça représente plus de, en termes comment dire, de rentrée box office avec les 21 ou 22 films, je me souviens même plus de la phase 1, ça représente plus que Star Wars et que la franchise Harry Potter. Mmh. Ou que la franchise Harry Potter, donc c'est vraiment du lourd quoi. Donc la compétition est rude, ils vont privilégier des gens qui sont à Los Angeles. Donc moi, encore une fois, j'ai un... Ouais, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais c'est particulier. Après, il y a d'autres boîtes de jeux vidéo. Au cinéma français, j'ai bossé sur un film récemment. Enfin, j'ai vu d'ailleurs la version de travail qui était très, très cool. Comment je suis devenu super-héros, où j'ai eu un très bon rapport avec le réalisateur. Et c'est marrant, ça m'a permis de voir deux facettes complètement différentes. La grosse machine américaine, hollywoodienne, et une production française où on n'est pas du tout habitué ni aux effets spéciaux, ni à la pré-prod. Donc je crois que j'étais le premier artiste de la prod, enfin le premier concept artiste avec qui il bossait. Bon, c'est quand même la maison de prod qui a fait Les Petits Mouchoirs, qui a fait tous les Guillaume Canet, qui a fait Le Grand Bain. Ouais. Voilà, des films aussi de qualité dans un autre registre. Et sinon, pour revenir peut-être au conseil, bah, il y a l'histoire de le boulot. Moi, je crois pas trop au blabla. T'as le relationnel aussi qui se crée. C'est-à-dire qu'en fait, en général, sur des prods comme ça, il va falloir se dire que tu vas t'intégrer dans une équipe. Donc, c'est un travail d'équipe. Il y a du relationnel avec les autres personnes. C'est réfléchir aussi sur son rôle, c'est-à-dire c'est pas seulement faire des belles images, c'est nourrir la machine, mais c'est aussi avoir du répondant par rapport aux contraintes, par rapport à ce qu'on nous demande. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'accrocher, se remettre en question, toujours apprendre, bosser. Ouais, je suis vraiment pas. Il y a plein de gens à l'heure actuelle, je trouve peut-être que je vais faire vieille école, mais non, je pense pas. En fait, le côté, tu sais, beaucoup de gens qui prônent ou qui mettent en avant les raccourcis. Que ce soit avec les brosses, que ce soit au niveau, je sais pas comment dire, relationnel ou pipotage, machin truc, ça peut faire illusion sur le moment, mais en fait, je crois vraiment au travail pur et dur, ouais, développer ses qualités. Et puis oui, quand je parle de qualité, c'est pas forcément que les qualités picturales, il y a le développement des idées. Je pourrais y revenir, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, là, comme je te disais, c'est la narration, l'histoire. Mm-hmm. Parce qu'en fait, quand on est concept artiste, on fait des belles images, on nourrit la machine, ouais. Mais c'est pour nourrir une œuvre. Tiens, voilà, j'ai encore un autre truc dans cette fabuleuse masterclass. Regarde ça, je vais un peu vite, désolé. Voilà, qu'est-ce que c'est l'illustration? L'illustration, c'est une image qui va être maquettée après avec un titre ou un bord.
Elle doit suffire à elle-même, elle donne envie de rentrer dans une aventure, de lire un bouquin, de s'intéresser à un jeu vidéo. C'est un Polaroid. La BD, c'est du développement, c'est plein de petites images, de vignettes, on appelle ça narration séquentielle, qui forment une expérience globale. Et le concept, que ce soit jeu vidéo ou cinéma, c'est la même chose. Il y a plein de trucs qui vont partir à la poubelle, il y a plein de trucs qui sont là pour explorer des idées, et ça va servir à créer un monde et donc à créer, à nourrir une expérience. Et toutes ces expériences-là, en général, que ce soit jeu vidéo ou cinéma, en jeu vidéo, il y a plus de spécificités. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais malgré tout, il y a des jeux qui ne sont pas du tout narratifs, où on se tape sur la gueule et tout, mais il y a quand même des moteurs psychologiques, donc humains. Et du coup, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est au final, on sert une aventure, une expérience qui est souvent nourrie par une histoire. Et du coup, le fait, enfin moi, c'est un truc qui me passionne, ouais, de creuser les techniques de la narration, en fait, ça fait aussi réfléchir. Parce que tu peux te dire aussi que parfois, tu vas faire un concept badass, je te dis n'importe quoi, mais tu vas rajouter des crânes et tu vas faire des tentacules, le gros monstre et tout. Là, c'est super, ça pète à la gueule. Mais tu vois, on parle souvent, tu vois, quand c'est fait au cinéma, c'est souvent négatif, péjoratif, parce que ça fait sortir de l'histoire ou de l'émotion, c'est too much. Moi, je t'avoue, les films où il y a des séquences, où on dirait des cinématiques de jeux vidéo mal branlées, ben, ça me fait complètement sortir de l'histoire, quoi. Mmh. Et par contre, parfois, justement, des fois, tu vas te dire, ah ben ouais, je vais travailler sur, à l'inverse, sur, comment dire, on va baisser les potards, et on va pas travailler sur le spectaculaire abusé, mais allons-y avec quelque chose de beaucoup plus subtil, et ça va être peut-être beaucoup plus percutant. Tu vois, je pense par exemple à une créature, le truc typique, tu sais, le gros monstre, il arrive et il ouvre la bouche et t'as un plan en face cam où il va rugir, que ce soit le T-Rex dans Jurassic World, Jurassic Park ou dans plein d'autres films, et c'est un gros cri de bête. Il y a un film que j'adorais, puis c'est une thématique qui me touche, je sais pas si tu vois Orca. Non, ça me dit rien, ça. Orca, c'est un vieux film, en fait, qui avait surfé sur la vague, il est pas pétri, enfin, il n'y a pas que des qualités dedans, il surfait sur la vague de 77. Des Dents de la Mer. Mm-hmm. Ouais. Et donc c'est un film avec un épaulard, un orque là. Bon, ça touche à une thématique là, que je développe dans ma BD. Et musique d'Ennio Morricone d'ailleurs, feu Ennio Morricone. C'est la semaine pour, ça tombe bien. Ouais, et du coup, il y a un plan en fait dans ce putain de film où l'épaulard, l'orque, sort de l'eau et il pousse un rugissement. Et les mecs au sound design, ils t'ont foutu un espèce de rugissement de lion ou je sais pas quoi. Et c'est risible quoi. Mmh. Enfin, il y a vraiment un décalage complet. Et par contre, tu vois, si tu développes une créature et qu'il va parler avec une voix de petite fille, ou une voix humaine, ou un truc, tu vas développer ouais, quelque chose de différent. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui me touche, où j'ai envie de creuser ce genre de... Putain, et c'est le mec qui, sur son workstation, qui a des gros monstres avec des flammes au cul, Ouais, c'est pas facile, hein, c'est la dualité du truc. Là, c'est pour ça que je suis un peu foufou, cinglé, là, il y a du mal dans ma tête, moi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Je vais peut-être finir sur ce... En tout cas, Orca a traumatisé Gary quand il était jeune. Ah ben moi aussi, hein, c'est pour ça entre autres là, que moi je pense que lui doit savoir là, mon projet. Là. Mais je l'avais pas vu du tout, Orca. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça c'est Sorter. Donc il devait apparaître à partir d'un tas d'ossements. Donc je te fais le tas d'ossements, je fais une petite anime pour donner un petit peu l'idée. Bonjour. Là c'est pour donner aussi l'échelle. En revanche, c'est un truc que je n'ai pas forcément à faire par rapport à mon équipe. Parce qu'encore une fois, sectorisation, il y a l'équipe concept art de Marvel Studios. Donc l'équipe clé, et sur chaque film, il y a une équipe production design, et même costume, et du coup, qu'est-ce que je peux dire ? C'est pas dire que ça se tire la bourre de temps en temps, mais il y a déjà eu de la compète ou des trucs, et par exemple, ouais, l'histoire, là, tu vois, c'est que j'ai balancé un petit décor juste pour donner l'échelle, c'est pas ce qu'on m'a demandé, on m'a demandé juste de développer le perso, mais je veux vendre ma cam, donc je le mets en situation, j'essaie de trouver, de séduire le client, de séduire le directeur, réalisateur. Et là, on m'a dit, ben non, fais pas trop les décors. Ça, c'est une autre idée, en fait. Pareil, que je suggère à Andy, avant de me mettre au taf hein, pour le lendemain. J'ai juste, voilà, je ferais bien un truc, en fait, avec de la lave séchée, grosse croûte. Et la créature, en fait, elle commence à s'animer. Et du coup, à chaque pli, chaque commissure, en fait, ben, on a la couche inférieure, le feu ardent du dessous qui apparaît. Et donc, plus il commence à s'animer et plus il est en flamme. Du coup, il m'a dit, vas-y, essaye. Donc voilà, première proposition sur la même idée. Ou comme je te disais au début, tu vois, ça pourrait être une espèce de grosse statue énorme, donc dimension statuesque, une espèce de rendu calciné, lave séchée, tout ça. Et la créature s'anime, elle bouge. Là, c'est autre chose, c'est une autre approche. C'est à partir d'un squelette et il y a un plasma kiné autour. Ça, c'est différentes recherches. J'en ai fait d'autres avec une dimension plus animale. Taika, à un moment, il est venu avec l'idée de radiographie. Donc moi, il y avait l'idée de plasma solaire éruption.
et l'idée qu'on voit le squelette à l'intérieur. Par contre, c'est chaud tendu parce que l'idée sur le papier, elle est bien, mais Ouais. en fait, on est confronté à un truc purement physique. Donc là, tu vois, c'est encore une des autres facettes du job. Tu connais pas, mais tu es obligé de creuser ou de te documenter ou de regarder. C'est que bah, la radiographie, tu vois à travers, tu vois à l'intérieur de la peau. Il y a une silhouette dessous. Par contre, le feu, il émet de la lumière, mais en fait, il est opaque quelque part. Tu vois, un feu de bois ou un truc comme ça, tu vas voir le bois bah, quand il y a des interstices, quand les flammes, en fait, elles s'écartent. Mais sinon, le Ça. feu, il émet de la lumière et Et donc, il bouche la du coup, vue. il opacifie complètement ce que t'essayes de ce que toi t'essaierais de révéler. Et donc ce que tu fais là, c'est complètement triché par rapport à une Exactement. quelconque réalité. Ouais. Et là, tu dis, merde, putain, bon, c'est Taika, le réal, là, qui veut ça. Putain, il n'a pas calculé, l'idée est bien. Et après, même, je pense aussi à l'équipe de VFX qui va devoir rendre ça, comment dire, bah, transformer mon concept en VFX ultra réaliste et donc rendre le truc plausible à l'écran et surtout plausible au niveau du spectateur. Pour le spectateur, ils se disent pas, oula, il y a un truc là qui va pas, c'est pas normal. Et ça, c'est le genre de truc, tu sors du film complètement, quoi. Le fameux suspension of disbelief, Ouais, qui est un qui est peu le bridé. moteur du film. Laurence nous demande, c'est quoi, avec quel outil numérique tu fais les visages? Bah avec le Photoshop. même que je fais toutes les images, donc avec Photoshop. Forcément, comme je travaille parfois avec des comédiens, bah je vais utiliser des photos, des bases photos. Enfin, c'est hyper chaud quand j'ai ma compo et tout et qu'il faut trouver une photo de Scarlett Johansson Dans le bon en train angle. de crier en contre-plongée parce qu'elle se bastonne, tout ça. Putain, c'est la prise de gueule est extrêmement délicate. Pareil, il y a aussi un truc, c'est que je suis pas. Comment dire? Il faut que je produise vite, que je produise beaucoup. Et du coup, je vais pas pouvoir passer 3 jours à peindre juste le visage en fait de l'acteur. Parce que si je réfléchis, je vais peut-être avoir une belle image au final. Vendre la cam, c'est important et c'est utile. Mais d'un point de vue purement production, c'est-à-dire le film qui est en train de se faire, ça sert absolument à rien. C'est du temps perdu, quoi. Donc il y a toujours cet équilibre aussi à conserver, à avoir en tête. Bonjour. Ça, c'est d'autres variations qui ont été faites, où on m'a demandé vers la fin du film. Non, vers la fin de la prod, je crois que c'était quelques mois à peine. J'étais déjà passé sur d'autres films. Et donc, c'était juste refaire les variations de sorteurs. J'ai dû en faire 6 ou 8, je ne sais plus trop. C'était juste l'histoire qu'il ait un bras qui repousse ou un bras qui soit absent. Donc, l'idée, c'était de montrer voilà, qu'il avait encore des, comment on appelle ça, des cicatrices et des marques d'anciennes batailles et qu'il n'était pas encore complètement remis. Voilà. Et ça, c'est la première image que j'ai vue sur Internet. C'était le premier teaser de Thor Ragnarok qui avait fait un carton. Et là, je m'étais dit, comme Hulk, tu vois, j'ai dû sauter comme ça et faire ouais, mon perso, il est dans le film, ouais! C'est ça, Et de ils le l'ont voir en pas grand, c'est viré au kiffant, quoi. montage. Non, non, carrément. Ce qui m'est déjà arrivé, hein, des trucs douloureux, comment dire, ouais, des kiffrés, mais ça fait partie du job. Mais des fois, Ouais, ça fait mal. tu passes beaucoup de temps dessus et finalement tu retrouves pas le truc. Bah, soit ça a giclé. Il y a des trucs que j'ai découvert au cinéma. Tu vois, sur Ant-Man et la Guêpe, il y avait des séquences. Je sais pas si je l'ai posté. Ça se pourrait que non, mais en fait, parce que ça n'a pas été Ouais, diffusé. si c'est pas diffusé, en général, tu repostes pas. Il Ouais, non, non, y non, a si c'est Boost pas qui nous demande montré. combien de persos par jour, pour avoir une idée. Alors ça dépend parce que après il faut bien faire les choses et Marvel bon on a des j'ai des conditions de travail qui sont assez cool mais il y avait une moyenne par exemple c'est quand je planche sur un perso c'est 3 persos comme ce que vous venez de voir là visuel fini là 3 persos par semaine après c'est plus parfois c'est plus dense parfois c'est je vais prendre plus de temps je vais faire plein de déclinaisons si j'ai une bonne base tiens je vais prendre Valkyrie. Je vais chier là parce que j'ai voulu être réaliste en fait elle a des gros pieds des gros genoux. Et en fait, tu vois, j'ai bloqué ce truc-là, et après, ah bah merde, non, j'en ai pas posté assez. Attends, voir. Ah bah si, voilà. Tu vois, la même idée, on commence à 1D, et là, vas-y que je change juste le casque, ça va être or sur des trucs noirs. Là, c'est 3E, là, c'est 4A. Donc, tu vois, à partir du même personnage, en fait, je vais creuser, donc j'ai la même base. Et là, l'idée, c'est de balancer pléthore de déclinaisons. Là, ça va être toute blanche, si c'est une Valkyrie, là, un petit peu plus angélique, avec des peintures de guerre, des warpaints un petit peu différents. Donc, je jongle avec la même base, et l'idée, c'est de nourrir la machine. Là, c'est un espèce de crâne, squelette un petit peu celtisant sur le crâne. Là, c'est avec le truc tout blanc. Donc, je vais passer un petit peu plus vite. Là, tu as une cape qui révèle la cape de Thor. Du coup, il y a un côté pas filiation, mais on est dans la même famille. Tu vois, On est toujours ouais, sur ils les font mêmes partie du même légendes. club. Exactement, ouais. Et alors, Julien nous demande, pour trouver des idées subtiles, justement, la meilleure méthode, ça reste forcément le mood board avec les différentes références visuelles à l'appui, ou bien c'est encore autre chose? Ben, je sais pas, c'est le cerveau d'abord, je dirais, qu'il faut creuser. Qu'il faut creuser, Parce que le qu'il faut mood board, en alimenter. fait, c'est un outil. Ouais, voilà, c'est ça. Le mood board, en fait, c'est toi qui vas l'alimenter, tu vas les creuser. Donc, il y a cette notion de recherche, d'ouverture. Donc, du coup, tu accumules les informations.
Mais après, effectivement, ah, il y a un autre truc aussi que je n'ai pas précisé, c'est un truc intéressant sur les mind maps, c'est les confrontations d'idées, effectivement. C'est que tu as plusieurs idées, et moi, je sais que si je fais une mind map, à la fin, je vais essayer de dégager, par exemple, trois pistes. C'est-à-dire, sur la page d'après, je fais trois petits tirets. Du coup, ça me permet d'éviter la page blanche. Quand je me fous au taf le lendemain, en fait, bah, c'est super optimisé. C'est-à-dire, je regarde pas mon écran comme une merde ou à me dire, putain, qu'est-ce que je fais? Ou tu vois, typiquement, à commencer à dessiner un truc, mais tu sais pas où tu vas. Pour moi, ça sert à rien. Enfin, c'est ma façon de faire. J'ai du mal à faire ça. Parfois, ça m'arrive, mais en tout cas, au niveau boulot, voilà, Ouais, c'est contre-productif, quoi. T'es pas là pour faire des croquis sur un post-it, quoi. Faut que Ouais, derrière, il y ait une image exactement. et une finalité, toujours. Ouais, bah du coup, les post-it, je les utilise avant. Tu vois, c'est comme quand je fais ma mind map, c'est comme si je notais des mots-clés. À un moment, je parlais de ça, en fait, et je l'avais fait dans les petites masterclass. Ça, c'était développer une idée. Tu prends des post-it, tu en prends trois par personne, tu te forces à noter trois mots-clés, et après, tu fais un espèce d'arrangement, justement, avec la mind map, là où ce qu'on appelle un cloud. Et l'idée, c'est de relier les idées. Et parfois, il y a deux idées bah, qui vont en donner une nouvelle, ou qui vont s'allier, ou qui vont se confronter. Et c'est là, à partir de là, en fait, où tu crées quelque chose de neuf. Il y a souvent l'idée aussi, moi j'utilise des fois mon téléphone là où je prends des notes vocales et des fois je suis à fond dans mes projets, plusieurs à la fois, tout ça. Et je sais que des fois j'ai besoin de faire le vide en rentrant chez moi pour voilà, où je passe à autre chose et puis puis être bah, lâché prise sur le taf, quoi, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Et ça me permet d'ordonner et je fais souvent des espèces de petites listes où du coup, quand je me mets au taf, j'ai déjà un truc. Tu vois, si j'arrête une image le soir, je vais me noter, bah, demain, focaliser sur le décor, ça va pas, la lumière, tel truc, il manque un doigt, essayer une variation en vert, en rouge. Et du coup, ça me permet d'optimiser mon temps. Et puis, comme je disais, pour répondre à la question initiale, là, par rapport à trouver les bonnes idées, ouais, ce serait bah oui, ouais, confronter. Confronté. Alors, en parlant de confrontation, Ronan nous demande, est-ce que tu ressens parfois une différence de culture visuelle ou de culture générale avec tes interlocuteurs américains, US? Que je ressens quoi, pardon? Une différence de culture visuelle ou de culture générale? Bon, il n'y a pas qu'avec les Américains, je t'avoue. Avec tout le monde, mais ouais, il y a peut-être des codes. Après, je ne veux pas faire le pédant, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement cultivés. Ou, Après, je pense y que a un chacun a son truc, mais c'est contexte. pas. Ouais, carrément, quoi. Et puis chacun a son expérience de vie. Il y a d'autres richesses, tout ça. Ils ont bouffé du Trump, on a Macron. Et là, je m'enfonce dans un sujet qui va être tendu du slibard, donc on va Mais esquiver. je vais t'aider. Hugo nous demande, est-ce que tu as des livres en particulier que tu conseillerais pour se documenter ou pour progresser, notamment techniquement, sur la pratique du painting? Digital painting. Bah alors là, je vais être super mauvais parce que, comment dire, non, pas mauvais, mais j'ai forcément une technique, j'y réfléchis beaucoup. Le savoir-faire technique, bah, il est super important dans mon boulot. Mais moi, c'est vraiment un autre truc que je mets en avant, déjà parce que ça m'intéresse beaucoup plus. Et bon, les deux sont à faire de pair, en fait. Mais c'est lié parce qu'aussi, quand tu bosses la technique, tu réfléchis aussi sur ton process, sur comment tu composes une image. Tu vois, moi, j'ai fait des études de graphisme, en fait, qui n'étaient pas du tout orientées illustration, peinture digitale, tout ça, les compos. Mais en fait, voilà, on a fait du graphisme. Je me souviens d'un pote aussi qui en parlait comme ça. Et du coup, quand je parle de graphisme, c'est de la mise en page, logotype. C'est, tu vois, on avait un exercice que j'avais trouvé super marrant. Non, à l'époque, ça me faisait ultra chier. Genre, c'est le truc qui tombe. J'avais envie de dessiner. Tu vois, à côté, je faisais mes masques en latex chez moi. Pardon, je dessinais des zombies. J'avais envie de faire des strums, tout ça et tout. Et là, l'exercice, c'est, on va faire un truc à la Malevitch. Et donc, en gros, vous avez le droit, on prend un format. Donc, tu prends un format A4. Et dedans, tu as le droit de jongler avec un rond, un carré et un triangle. Et l'idée, c'était d'exprimer avec ces trois formes, en fait, une sensation ou une émotion. Du coup, tu es là, je me dis, putain, c'est quoi ces conneries et tout. Et effectivement, tu vois, si tu mets le carré en bas de l'image, il y a une notion de solidité. Tu le mets au centre, il y a une notion pareille de balance, d'équilibre, en fait, qui est faite. Le triangle, tu vas le mettre dessus, tu mets le rond au-dessus. Par contre, si tu composes avec ton carré, tu le mets brinque-ballant, en fait, sur le côté. Enfin, tu peux créer différentes choses. Et c'était juste pour revenir à ça, c'est qu'aussi, une image, même s'il y a plein de détails, tout ça, tu vois, c'est comme quand tu composes une photographie ou un truc, tu as une espèce ouais, de vision globale à conserver, à avoir, qui est importante, quoi. Du coup, ouais, non, pour venir, un truc pas qui me touche, mais que ce soit français, américain ou n'importe qui, souvent il y a un petit travers, je trouve, là, chez beaucoup de concept artistes ou de gens qui font des images, tu as la dimension technique et on se pose beaucoup de questions sur les brosses, sur le rendu, mais pas toujours, des fois, sur le sens. Je dis pas que je suis le meilleur, encore une fois, là-dessus, hein. Voilà, j'ai encore mon ArtStation d'ouvert. Je vais montrer
Hop, vous avez vu mon mot de passe? Non, il était caché. Et Oh. voilà, oui, j'ai plein de trucs fantastiques. Enfin, on m'appelle beaucoup pour ça. J'ai développé ça. C'est pas, je ne fais pas que ça. Mais ouais, c'est un. Comment je l'ai dit là? Réfléchir sur le sens, quoi, faire autre Ouais, chose. c'est Il y a quelqu'un qui sens. dit que ça se rappelle les cours à New Age, mais je suis jamais allé à New Age. Donc. Les cours avec Alexis. Ouais, c'est fou ça. Ouais, ou je crois pas, ou j'ai un trou, ou c'était une autre C'est ça où dimension, mais tu. non, je ne pense pas. C'était un double ou c'est un mec qui s'est fait passer pour toi? Oh merde, il a bien feinté. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à montrer de rigolo? T'as peut-être des idées ou des questions? Bah écoute, à la limite, si t'es. Alors, je te mets en porte-à-faux, mais est-ce que tu te sens d'attraper ton stylet pour de vrai et de partir. Alors, est-ce que si tu repartais maintenant sur ta mind map de Surtur, t'arriverais à sortir un truc ou je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que. Parce que. Est-ce que tu te sens de dessiner avec nous ou pas? Peut-être un petit peu, j'ai juste peur. En fait, je vais beaucoup moins parler, je vais te focaliser sur mon image. Et après, on est tous différents, mais peut-être parce que je suis bavard. Mais plutôt que de faire une image, parce que là, tu vois, je ne vais pas faire un tutoriel Photoshop. Surtur, d'ailleurs, j'ai rebossé sur un autre projet où j'ai dû le refaire à nouveau. Enfin, une autre variation, c'était un projet de jeu de plateau. Donc, j'ai peut-être fait le tour. Putain, qu'est-ce que je pourrais dessiner? Je ne sais même pas, moi. Oui, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, ouais, là on a parlé beaucoup de scénarios. Ah bah oui, tiens, ta bande dessinée. Est-ce que tu nous en parles un petit peu de cette bande dessinée? Je dis ça juste parce que je viens de la voir apparaître à l'écran. Et Sabrina nous dit poulet. Je pense que Sabrina veut voir Patrick et comprendre qui est Patrick. Donc il y a beaucoup de choses, hein. C'est riche. C'est une session qui va être Patrick ou riche et poulet? variée. Pardon, Patrick le poulet ou les épaulards? Alors. D'abord. Je pense, comme tu le sens. On fait un vote dans le public. Alors, poulet ou épaulard? Ah, il y a peut-être un truc là, je vois Max Maury Martino qui me demande comment tu veux montrer ta démarche quand tu penses à ton concept perso avant de faire tes recherches. Ah, Ah, carrément, c'est ouais. tout ce que je développais là, en fait. Du coup, je prends mon petit carnet ou une page de papier. Je fais ma mind map, donc j'en ai à côté de moi là, mais j'ai la même que j'ai montrée digitalement. Du coup, ça me sert à élaborer des pistes. Putain, attends. Pas. Vois si je peux montrer un truc. Vas-y, je te mets en grand quand t'es prêt. Ça, c'est top secret. Ça, c'est secret. Ça, je peux pas. Ah ouais, non, mais montre pas les trucs secrets. Ça, encore plus. Merde, le carnet là de la mer. T'es tombé sur le carnet top secret, celui-là, si vous le Ouais, que voyez. j'avais sorti exprès. Non, bah dans quelques temps, ça sera C'est fini. Bon, ça, bah non, mais le. faut le regarder dans 3 ans. Dans 3 ans, 4 ans, on est bon. Oh, il y a déjà des trucs qui vont sortir assez rapidement. Alors, au niveau Ah, du tiens, c'est un vote, petit truc intéressant aussi. Patrick sur un épaulard, un poulet, un épaulard, un poulet, il y a plus de votes. Ah, il y a quelqu'un qui veut poulard et Ah, c'est épaulé. pas mal, le poulard, un épaulet. C'est pas mal, pas mal. Tiens, un truc aussi, voilà, ça, c'est des sessions de travail. Que je faisais chez Magic, donc ça recoupe un petit peu avec le concept art. Donc là, j'ai pas forcément les scans, donc je vais te montrer le petit carnet. Vas-y, C'était raconte-moi développement d'un l'univers. univers qui est sorti, qui s'appelle un malade mental, génial. Ça fait un peu peur, hein. Ouais, plus haut, même. Et je me souviens plus du nom du set, mais il est sorti il y a déjà quelques années. Donc j'étais allé là-bas en fait pour développer le setting. Donc je crois qu'on est 5 ou 6 artistes, ils nous mettent dans une pièce. À part Top Secret, et en fait, on a une liste de plein plein de créatures d'environnement, et c'est à nous de développer le monde. Donc, ça ressemble en fait à la conception d'une bible graphique de jeux vidéo ou de dessin animé ou de projet de film. Du coup, voilà, tu vois, c'est par exemple, c'est mes premières notes, pareil, où je fais ma mind map. Ouais. Du coup, j'essaye de noter plein de trucs, il y a des références, NCIS. Le truc aussi, c'est que je prends un petit peu de temps, mais pas trop, pour faire des jolis croquis, juste pour que ça me donne envie. C'est-à-dire, en fait, je me mets dans une bonne vibe, et puis tu vois, je kiffe de même rouvrir mon carnet, et je me dis, ah, c'est pas mal, je suis content des petits croquis, j'aime bien, il y a un petit côté. Enfin, je suis content de ce carnet de croquis-là, quoi. Du coup, ça crée un attachement, ça me met déjà dans un état d'esprit cool, mais par contre, l'idée aussi, c'est qu'il ne faut pas que je pas passer ma journée à faire ces croquis-là, parce qu'encore une fois, comme je dis, au final, mon client, il attend autre chose. Et si je lui envoie ça en fin de journée, et que, ah, bah voilà, j'ai une super mind map, j'ai plein de petits croquis à la con, je commence demain, bah ouais, non, non, moi, je veux des images tout de suite, quoi. C'est ça, il veut absolument voir tout de suite le plus de trucs. Et puis il faut que ça puisse, lui, de son côté, alimenter le film, alimenter tout le reste, quoi.
Exactement, ouais. Et du coup, tu vois, par exemple, une deuxième étape, là, comme c'était des designs, ben, en fait, là, par contre, j'enchaîne avant de faire, je me fais une espèce de listing et je fais des espèces de thumbnails, des tout petits croquis au crayon. Parfois, j'utilise du marqueur, tout ça. Donc, tu vois, ils sont ridicules et tout. Mais dans ma tête, c'est une sorte de liste de toutes les illustres que je vais faire en développement ben, pendant ces 3 semaines. Du coup, là, il y en a plein. J'en ai un autre qui est plus parlant. Ben, sur le film dont je parlais au tout début, là, Azura. Et le truc marrant, c'est qu'en fait, j'ai coché au fur et à mesure, et ben, j'ai fait un paquet de ces illustrations, en fait. Encore une fois, tu vois, j'ai une partie du boulot qui est préparée, je me mets au taf, donc là, je vais essayer de prendre. Est-ce que les gens, ils voient, en fait, à Ouais, peu près, là ils là? voient, je t'ai remis en très très grand. Ouais, voilà, c'est Azura. Et ils ont Là, arrêté de voter pour les poulets. c'est mon première note. Première note. Et voilà. Et là, tu vois, en fait, sur la droite, là, il y a les espèces de petits thumbnails, je mets quelques valeurs de gris. Ça peut m'arriver aussi de scanner cette page-là où je la prends en photo. Je n'ai pas besoin d'une bonne résolution parce que de toute façon, je vais rebarbouiller par-dessus. Et l'idée, ça va être ma base de départ pour travailler sur une compo. Et là, je ne sais plus si je les ai montrés, mais en fait, je crois qu'il y en a plein. Tu vois, j'avais un fichier numérique où bah, je ne perds pas de temps. Dès que je file une image ou si je cale sur une, bah, bim, je passe sur l'autre. Et j'ai déjà fait un petit peu, quelque part, tout le boulot de préparation. Ça me permet d'enchaîner, en fait. Tu vois pas d'arriver, je finis une image, et après je me dis, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire d'autre, ou je sais pas quoi. Donc là, c'est plein de séquences, soit que le réalisateur m'a dicté, soit je crois qu'il n'y avait même pas forcément, enfin, comme on construisait le monde et le film, bah là, c'est des séquences aussi que je choisissais moi-même. Ouais, pour le coup, on est vraiment. Enfin, tu travailles pas justement. C'est la différence entre une illustration et un concept art pour pouvoir faire du développement visuel sur tout le film, quoi. T'es obligé d'aller plus loin, quoi. Ouais, c'est pas le même exercice, quoi. Autant j'aime bien l'illustration, avec le temps, peut-être que j'aime de moins en moins. Enfin, j'aime encore, mais je crois que je kiffe le fait de creuser, développer les idées. L'illustration, il y a un côté vraiment savoir-faire. Tu mets en forme une image pour servir un propos, pour vendre un bouquin, pour vendre un truc. Donc c'est kiffant, quoi. T'as vraiment le plaisir de faire. Mais dans le concept, ouais, il y a une sorte de, pas d'excitation, mais d'un truc supplémentaire où bah, tu sais que ça peut servir le film, entre autres. Je vais regarder sur. Sur Station, si j'ai pas mis des images de ce film, je suis pas sûr, peut-être que j'ai mis sur le tard. Comment ça marche? Tu veux bien remettre là-dessus? Non, il y a peu de choses en fait. Non, même je crois que j'ai rien posté. Bon, je peux peut-être ouvrir. Hein. Attention, tu me dis si tu as besoin de qu'on voit pas ton écran, je masque ça. Il y a Pierre qui judicieusement nous disait, mais tu sais, c'est pas grave, hein, t'as compensé avec l'intro, et du coup, moi je pourrais lui parler des petits poneys pendant que tu dessines. Oui, pourquoi pas? Il n'aura Merde, pas. j'ai pas de suivi là. Les petits poneys, je sais pas quoi. Ouais, c'est de l'historique de la chaîne YouTube. On a plus de poneys ici que de tous les autres Ah. animaux. Question Ça, technique de c'est pas de Ronan. moi. La C'est pas de 3D, moi. c'est de plus en plus présent dans le concept. Est-ce que tu t'y es collé? Est-ce que tu as essayé? Non, parfois je regrette parce que la compétition est de plus en plus rude. Il y a un truc aussi fondamentalement qui me dérange, c'est qu'en fait avec la 3D, ça arrive assez vite à des rendus hyper bien branlés, photographiques et séduisants. Effectivement, il y a beaucoup de producteurs à Hollywood même qui font réagir sur entre une bonne idée, une super bonne idée qui est rough ou qui est pas finalisée de façon photoréaliste et un truc photoréaliste. Souvent, pas toujours, mais ça peut arriver que le choix il va s'orienter vers le truc photoréaliste, mais au détriment de l'idée de fond. Parfois, il y a des trucs en 3D, même sous ZBrush, tu vois, où je trouve qu'il y aurait une étape de design qui serait à faire avant de taper le rendu, tout ça et tout. Du coup, ça me gêne un petit peu. Je sais qu'il y a encore des clients qui ont une certaine, j'allais dire, culture et qui ne vont pas répondre au phare de. Ce serait quoi la phrase exacte? Qui ne vont pas se laisser séduire seulement par le rendu, mais qui vont voir plus loin. Du coup, il y a ça qui me touche. Par contre, c'est vrai que c'est un outil fabuleux. Là, sur ma BD, ça m'arrive de construire des décors en 3D, justement, pour gagner du temps, avoir le même référent. Je peux faire tourner mon décor, tourner autour et pas le redessiner comme un zinzin. Donc oui, c'est à la fois un super outil. Et moi, pareil, ben, dans une vie, on n'a pas le temps de tout faire. Et comme je te dis, ben, plutôt que d'apprendre les trucs en 3D, ben, à un moment, j'ai préféré comment dire, me foutre à fond dans ce qui est la narration, le scénario, technique de narration, tout ça. Ça prend du temps, c'est une discipline comme les autres, tu vois, c'est comme apprendre la peinture et tout. Et du coup, voilà,
donc j'ai à peine les bases en 3D, peut-être que ça viendra un coup, mais j'ai choisi mes batailles et on verra. Je vais être bientôt vite fait has-been. Bon, has-been, t'inquiète, on continue de regarder des artistes de la Renaissance en inspiration, donc t'as encore un peu de marge. Ouais, je suis pas au niveau Renaissance non plus. Hein. Hervé nous dit, je suis complètement d'accord avec toi, Alexis, le plus important, c'est les idées, pas la technique. Bah tiens, voilà, exactement. C'est qu'est-ce qu'on leur dit ? Ça, c'est les trucs que j'ai fait pour le projet Azura. Je vais essayer de trouver les croquis pour voir un petit peu la comparaison. Mais comme c'est pas le bazar, mais j'en ai un paquet. Ah bah tiens, voilà. C'est assez parlant. Tiens, ça c'est le carnet de croquis que j'ai montré tout à l'heure en fait. Mais je l'ai pris en photo, tu vois, et du coup je rajoute des valeurs super vite. Et je peux isoler une des images, tu vois, et partir dessus et me mettre au boulot. Donc là, je ne les ai pas toutes faites. Là, tu vois, même j'ai collé en fait par-dessus les croquis, les images que j'avais poussées. Donc pareil, j'ai pas eu le temps de tout pousser. Là, en fait, c'est vraiment. C'est même pas du. Ouais, c'est du speedpaint hyper porcas. Là, tu vois, il y a des croquis de créatures, bah bim, je sais que je les ai fait après. J'ai pas le croquis sans rien original, mais enfin, voilà, c'était juste pour dire, tu vois, à partir de là, c'est vraiment hyper rough, animal déformé, avec des membres machin truc, et après, bah, il va rester le boulot. Quand tu dis je rajoute des valeurs, etc., on est d'accord, tu scans ton truc et tu vas faire de l'overpaint directement dans Photoshop, tu repeins dessus juste pour ouais, la couleur. Exactement. Mmh. Bah là, tu vois, en fait, là, j'ai rajouté du bleu, un fond, et je fais revenir. Une couleur moyenne, je reviens surtout avec l'éclair, donc je pose la lumière, donc j'ai les intentions principales, et voilà. Et par contre, non, j'arrive pas vraiment à trouver. Pareil, je suis au petit, un petit peu pas zinzin, mais j'ai fait un logo temporaire, donc en fait, mon client il me demande pas ça, mais bon, au final, là il était content parce qu'il voulait faire une plaquette avec le truc, et ça m'est déjà arrivé effectivement. Sur un projet. C'est un projet Batman d'ailleurs que j'ai eu, c'était une sorte d'appel d'offres pour un gros projet de ça. Et c'était 2 jours en fait, et j'ai passé la première demi-journée à juste faire un logo. Mmh. Et au bout de la demi-journée, je me suis dit, mais t'es complètement con mec, en fait, c'est pas ça qu'on me demande. Demain, c'est bosse sur le design du perso. Mais en fait, pareil, ça me servait de quelque part de mind map et à réfléchir sur un pictogramme, un logo, tu vois, il doit résumer l'essence du perso. Et du coup, là, en fait, bah, en faisant ce logo-là, c'est un logo temporaire, tu vois, je suis pas le meilleur logotypeur graphiste à ce niveau-là. Je pense que j'ai un petit œil et puis je me démerde pas trop mal, mais je suis pas une brutale de chez brutal quoi. Mais ça me permettait de synthétiser toutes les idées intéressantes à mettre en place au niveau du registre de forme, au niveau des courbes, au niveau de d'où le personnage venait quoi. Et est-ce que du coup pour ce logo t'étais en mode croquis ou est-ce que t'étais pareil que d'habitude, c'est-à-dire d'abord regarde. Bah là, tu vois, le logo, on m'a pas demandé, mais c'est moi qui fais un film de Peng Zhang, machin truc, tu vois, ou puis ça rajoute un petit saut propre, comment dire, un petit truc graphique, et ça fait, comment dire, ça suggère aussi l'idée que le projet est super avancé ou fini, alors qu'en fait, c'est la première étape, et qu'à l'époque, le scénario était même pas finalisé. Ouais. Du coup, tu vois, ça fait tout de suite un petit côté propre, donc je le fais pas tout le temps non plus, mais je sais que j'aime bien. Ouais, ça, je devais avoir le croquis. Là, je sais que j'étais en mode super speed. Pareil, à me dire... tu sais, il y a aussi l'idée, par exemple, tu es sur une prod, tu as envie de faire la plus belle image de tous les temps. Moi, je peux être aussi perfectionniste et prendre énormément de temps. Mais des fois, en fait, quand tu es sur une image et que tu reviens, arrive un moment en fait, où tu la sèches. Et d'autres fois, il y a des images en fait qui sont plus balancées, qui ont plus de patates. Et du coup, après, bah, se poser la question en prod, est-ce qu'il ne faut pas privilégier... Enfin, il faut trouver un équilibre entre qualité et quantité. Effectivement, tu vois, là, il y a même des. Ça se voit, là, il y a des parties découpées, des photos, il y a des fils de couleurs qui ne sont pas bien appliqués, il y a du détourage dégueulasse, là. Mais l'essentiel est là, et l'idée, bah, pour ce truc-là, comment dire, bah, j'ai compris aussi que la prod, bah, lui, il préférait avoir des images pas forcément super finies, mais qui soient suggestives et qui alimentent la création derrière, le scénario, le scénariste. Que les équipes puissent travailler dessus, quoi. Exactement. Bah là, c'était même pas les équipes, je te dis, comme on était avec le scénariste, et il y avait les moments clés, en fait. Ouais, c'est un truc aussi particulier, là, je sais pas si je vais rentrer dedans. C'est un truc de narration, c'est Blake Snyder qui avait écrit un bouquin
qui a été surexploité aux États-Unis, là, dans les boîtes de production. En fait, c'est un mec qui était script doctor et qui a écrit une espèce de page, les 15, avec un timing même, les 15 moments clés en fait d'un film. En fait, c'était super intelligent sa démarche, mais ça a été repris par beaucoup de producteurs sur comment on écrit un film pour les nuls. Et en gros, tu as un timing. C'est pour ça qu'il y a tellement de blockbusters américains qui se ressemblent. Et Save the cat, c'est ça? Save the Cat, exactement, ouais. Et l'histoire, c'est que le gars, en fait, il écoutait des bandes audio dans sa bagnole. Et pour aller à son bureau à Hollywood, il se rendait compte qu'à chaque moment, en fait, au milieu du voyage, il passait par une colline. Et c'est à ce moment-là, donc là, c'est old school, il devait retourner la cassette audio, qui devait faire, je ne sais plus, 90 minutes. Donc un film, tu vois, tenait sur une cassette audio 1h30. Et en fait, il se rendait compte qu'à chaque fois, il retournait au milieu la cassette audio, à la moitié du film, et il se passait toujours à peu près la même chose. Du coup, il a fait une espèce d'étude où il a élaboré ce truc-là. Et bref, le gars, il avait quand même beaucoup de, comment dire, de recul et de, il me semble, de connaissances sur la dramaturgie, tout ça. Et donc, ça a été vite repris par bah, tes producteurs. Tu veux faire un film où tu vas remplir les 15 moments avec le timing, tout ça. Et là, sur ce film hallucinant, là, le truc chinois, c'est que j'ai eu un document de travail avec bah, les 15 moments de Blake Snyder qui n'étaient pas remplis. Donc, on en était vraiment au tout début. Mais eux, leur logique, c'était. Bon, je t'avoue, quand j'ai vu ça, et tu vois, le film a fait un flop complet, et je me dis, quand je te parlais des raccourcis, là, de merde, ou les gens qui prennent des raccourcis, et ben là, tu vois, en l'occurrence, c'est des gens qui n'ont pas compris, qui ont essayé d'appliquer le truc, et ça manque peut-être de quelque chose, et le vrai travail de fond, de vraie réflexion, quoi. Comme quoi, c'est pas toujours la bonne solution, c'était rigolo. Petit visage de porcelaine. Non, je ne veux pas effacer mes images. Ronan me demande, est-ce que parfois on te demande de repasser derrière les images d'autres artistes sur une prod? Alors, quand j'étais à Dontnod, directeur artistique, là où on était sur Remember Me avec Michel Kors, l'autre directeur artistique qui est depuis passé co-réal de Life is Strange, on avait une super équipe, on a eu énormément d'artistes super talentueux. C'est marrant. C'est pas que moi là en fait, mais je pense que c'est comme toutes les écoles d'artistes à travers l'histoire, c'est qu'en bossant ensemble, on s'est tous influencés un petit peu les uns les autres. Il y a des trucs, je trouve, qu'on retrouve dans le travail de. Pas complètement, hein, et comment dire, et je. Par exemple, je vais pas dire que c'est moi qui ai influencé les autres, parce que moi j'ai été influencé également par eux en fait. Mais tu sais, on s'est nourris les uns les autres en termes de connaissances, de culture, d'affinités artistiques, tout ça, et du coup, je peux reconnaître ou je trouve qu'on voit des Des similitudes liens, des parfois, similitudes. ouais. Et donc du coup, on avait une super équipe, et oui, ça arrivait souvent qu'on faisait des images, comment dire, qu'un gars en fait repasse sur une autre image, fasse un overpaint, reprenne un perso ou un truc comme ça. Et à contrario, les équipes américaines ou les productions américaines, bah, c'est un petit peu tout l'inverse en général. Bah non, on va éviter en fait. Avec Marvel, parfois on m'a demandé de rebondir sur une version d'une proposition de quelqu'un. Mais il faut que je m'en affranchisse ou que je propose vraiment quelque chose de neuf, quoi. Du coup, ça dépend vraiment. Il y a un grand débat dans le chat sur les croquis, c'est Oudai, où est Polar? super et tout. Donc les vrais trésors sont les croquis avec des idées. Et de l'autre côté, on répond, ouais, non, mais je suis pas d'accord. Pour avoir du boulot, faut un niveau technique et créatif excellent pour pouvoir faire des croquis Ah, c'est vrai avec des aussi. clients. Ah, c'est vrai aussi, oui, parce qu'il faut les vendre, en fait. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a le syndrome du producteur qui est derrière, où le mec, il n'est pas graphiste et les croquis, il voit quelques bonnes idées, où il n'a pas à avoir la capacité à se projeter et donc à voir qu'il y a une idée extrêmement intéressante. Et puis, même après, il y a, moi, quand je fais mes concepts, tu vois, là, le degré de détail, tiens, lui, je ne sais pas si tu es sur mon écran. On y est. Ouais, ben, l'histoire, c'est que là, l'idée, c'est que le truc, il va être réaliste, c'est pas stylisé, c'est pas du jeu vidéo. Donc là, j'utilise pas de 3D, dommage pour moi. Et il faut que je peigne tout le truc. Là, j'ai passé plus de 5 ou 6 mois sur tous les costumes des Time Travel Suits. Donc j'en ai une chier. Et j'avoue qu'à la fin, j'en pouvais plus. C'était à la fois super cool, super excitant. Mais putain, ça a été dur, quoi. Parce que l'idée, là, c'est que chaque fois, je me retrouvais, tu vois, parfois certains jours, à faire des détails, à changer la couleur rouge, à remonter un truc de 5 cm. Et surtout, comme je devais bosser sur. Je sais pas si j'ai tous les persos. J'avais 12 persos. Non, 12 ou. 10, je sais plus trop, et je devais en fait apporter les mêmes modifications et donc adapter le costume sur chacun des personnages. Du coup, là, tu vois, je fais une première variation. Je sais pas si j'ai posté les trucs, j'avais tout Je expliqué sais qu'on sur avait mis Insta. plein sur Insta. Sur Insta, Ouais. t'avais tout le développement. Voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram. Promo perso, promo amigo.
Ouais, où là je suis pas parti loin, mais j'ai rebondi, on travaillait. Donc au début, toute l'équipe a planché sur les time troubleshoot. Je développe un petit peu ça, ça te va? Ouais, carrément, carrément. Je vais essayer de commencer par entre guillemets l'image finale, parce qu'il est le plus proche. Il y a eu encore des retakes, mais je sais pas si j'ai posté les 12 persos les uns à côté des autres. Pareil, on m'a pas demandé ça, mais si voilà. Bon, vous la verrez pas entière, à moins qu'elle soit sur ArtStation. Et donc là voilà, c'est tu vois une des versions super avancées du costume. En rebondissant sur le travail de Wes Burt, excellent concept artiste qui a nourri la machine. Et donc, il fallait l'adapter sur tous les personnages. Mais pour en arriver là, ouais, je ne sais plus combien, mais en fait, j'ai des centaines d'images, comme je te dis, sur 5 ou 6 mois. Donc, gros, gros boulot. Et dans ce concept final, ouais, un des trucs les plus intéressants, c'était la silhouette du milieu. En fait, l'idée, c'était d'évoquer un sablier, la forme sur le torse, le X. Donc, il faut éviter de faire X-Men. Mais c'était l'idée essentielle. Et au final, ils ont beaucoup retouché le costume, ce qui fait qu'en fait, je crois que c'est pas vraiment visible dans le visuel final. Ça a un petit peu varié. Ils ont rajouté une ceinture et peut-être un truc au niveau de l'entrejambe pour pas avoir d'espace noir là au niveau du sexe qui pouvait créer un espèce de vide un petit peu étrange, quoi. Et du coup, je vais reprendre là parce que les images sont plus grosses. Donc pareil, moi, je me tape une grosse mind map. Ah non, il y a peut-être ça. Ah bah voilà, première mind map avec toutes les idées. Donc time travel suit, wormhole, le sablier, tu vois, c'était aussi là, en fait, je ne l'ai pas exploré de cette façon-là, mais les boucles. Pareil, en fait, je savais à ce moment-là, en fait, dans le développement, que c'était une technologie qui était développée. Au tout début, le brief, c'était par Tony Stark, avec la technologie dans Hank Pym pour aller dans le royaume quantique, et une technologie, en fait, propre au gardien de la galaxie, donc je ne savais pas exactement ce que c'était. On a fini après. Du coup, bah comme j'ai que ça à foutre, bah je vais commencer par faire des logotypes. C'est Donc ça. là, je te Le fais, mec pas j'invente un. pressé, en fait. Voilà. Donc là, je te reprends la typo des Avengers, la flèche du logo de Tony Stark, le logo de Hank Pym avec l'idée de boucle et de pendule en fait perpétuelle, avec la notion de temps, pour faire une espèce de techno. Donc je m'invente là, je me fais complètement mon film. Hein, tu vois, technologie de déplacement, je t'appelle ça Chronos. Je suis pas allé chercher loin, mais un truc parlant. Mais comme ça pourrait arriver dans la réalité aussi, on va des fois prendre, tu sais, le nom, pas le dénominateur commun, mais un nom qui va parler au plus grand. Donc voilà, bim, j'ai mon petit logo que je vais pouvoir appliquer sur tous mes persos. Là ensuite, j'avais commencé à développer une espèce de logotype, et l'idée c'était de travailler sur l'Arc Reactor, donc la technologie de Tony Stark. Et là, je figure en fait bah, des logos très connus comme le pose, qui correspondait au présent. La touche avant pour aller vers l'avant et deux touches backward en fait pour revenir vers le passé. Du coup, après, bah, tu vois sur la partie du haut, ça m'alimente et j'essaye de le rendre concret en fait. Donc je me dis, bim, je te fais deux barres en fait où j'utilise le référent rouge. Donc ça, c'est la technologie de Hank Pym, comme on le voit sur le design de Hank Pym. Deux arcs réacteurs, parce que je me dis que pour retourner dans le passé, futur, présent, passé, il bah, y a besoin d'extrêmement de énormément d'énergie. Donc voilà, deux trucs de deux fois Tony Stark. Ça coupe un petit peu le flux là, j'ai l'impression, non? Non? Non, écoute, ici, ça a l'air d'aller. Et voilà. Donc après, il faut l'appliquer sur tous les persos, voir le truc. Une autre de mes idées, c'était de jouer avec le logo Avengers, en fait, et de le retourner vers le passé. Comme ça, j'ai la flèche en fait du logo, plutôt que de pointer vers l'avant, elle pointe vers l'arrière. Et là, encore une fois, bah, c'était l'idée d'appliquer ça sur tous les Sur tous les personnages. persos, pour pouvoir faire des déclinaisons, pour pouvoir Ouais. puis avoir cette fameuse image où ils sont tous ensemble. Voilà. Et une de mes références qui m'avait donné, c'était l'idée de le plan, le shoot de l'étoffe des héros. C'est où tu as tous les astronautes qui déboulent les uns à côté des autres. Sur la Mais là, j'ai eu une petite blague, en fait, c'est Ryan Maynarding, là, le lead en fait, avec qui je bosse. Qui avait repris cette idée-là pour l'appliquer sur tous les persos, justement, il voulait voir ce que ça donnait, et puis il a échangé avec les frères Russo. Et donc, la blague, je ne sais plus où est-ce que je vais le trouver, c'est qu'en fait, il y avait un machin qui ne marchait pas ou qui rendait l'idée très conne. Ah, c'est pas ça. Ah, bah, si, tu vois, là, c'est un autre truc, c'était le développement de la nanotechnologie. Donc, comment, en fait, il a juste un plastron, et comment, ça, je ne l'ai pas fait sur tous les persos, parce que c'était putain de gros boulot, comment ça se développe et comment ça apparaît. Et pour la blague, il y a une image en fait qui fait que bah, le truc rendait un petit peu con. Bah, tu vois le logo Chronos là, donc je fais mes déclinaisons pour chacun des mecs de l'équipe. Je refais un nouveau logo parce que je pense qu'il y a eu une joint venture entre Pym et Stark. Donc ça, pareil, on m'a rien demandé.
Ça, c'est les logos. Tu vois, il est excellent aussi. La petite flèche dans le Y, c'est pas moi qui fais ce logo-là. Mais pour l'histoire de rapetisser, en fait, la flèche qui pointe vers le bas. Et puis. Ah merde. En fait, non, il me disait voilà, qu'il y avait un gros problème ou que ça marchait pas. Je sais pas si c'est ça. Et la blague, c'est qu'en fait, si tous les personnages se retrouvaient les uns à côté des autres, face caméra, avec le logo là sur le torse, enfin la flèche qui pointe, on aurait dit qu'ils avaient un t-shirt du style, comment dire, mon voisin est un crétin ou. Oui, I'm Ouais, exactement. Bon, with j'arrive pas à le retrouver là, mais voilà. Donc les frères Russo avaient rebondi là-dessus. Mais bon, c'est aussi super cool, je t'avoue, je kiffe quand je sais que les idées sont discutées avec Kevin le boss et puis les frères Russo, d'autres réalisateurs. Hein. Stupid. Classe. Donc pendant ce temps-là, il y a Mac qui nous reposte le live avec Marc parce que Marc avait effectivement évoqué pas mal de trucs sur la. Sur la rapidité, la finesse du dessin. Arkness nous demande, est-ce que c'est pas trop frustrant quand le client ne choisit pas l'idée qui t'inspire le plus? Ah bah si, ouais, forcément, ça fait chier la bite. Et après, il y a l'histoire d'ego, il y a l'histoire d'intention, de travail que tu as mis dedans, d'intensité. Tu es attaché à ton truc. Enfin, des fois, tu peux t'en sortir. Moi, j'essaie de trouver un équilibre, effectivement, entre bah, quand je fais un truc, j'essaie de m'impliquer à fond, je suis dedans, parce que voilà, la vie est courte, et puis j'essaie de m'intéresser au projet ou que ça apporte quelque chose. Comme je te dis, parfois, il y a des projets qui sont... Là, je suis à la bourse sur un truc de pub qui l'intérêt est très, très moyen. Et du coup, ouais, ça peut casser les pattes. Et moi, du coup, mon équilibre que je trouve, eh ben, c'est entre être un rouage, entre guillemets, parce que c'est la réalité, sur une très très grosse machine, comme Avengers Endgame, là c'est super, c'est le plus gros blockbuster de tous les temps. Mais ouais, il y a les trucs, Captain Marvel, il y a plein de choses qui sont passées, mais j'ai bossé aussi sur une équipe, une version des costumes, peut-être plus de 8 semaines, et à la fin, en fait, tout est parti à la poubelle, et c'est une autre version qui a été envisagée. Parce qu'ils ont changé au début, c'était super séduit, mais tu sais, c'est aussi une discussion. Ils voient entre eux, il y a un truc qui plaît bien un jour, après on creuse un truc, puis finalement, non, ça va pas, et puis on Oui, se et rend peut-être compte que tu que. rebondis aussi sur les développements du scénario. Tu parlais tout à l'heure des script doctors, ça peut jouer aussi. Ouais, carrément, exactement, ouais. Parce que c'est aussi un truc très organique, et ouais, la prod, elle commence, surtout les films Marvel, en fait, comme c'est une espèce de grosse saga, c'est comme une saison. Comme si tu faisais un manga ou une BD et tu commences, tu as à peu près toutes les grandes intentions, mais il y a plein de trucs que tu n'as pas à développer et qui vont être à développer au fur et à mesure, mais il faut que ça s'inscrive toujours dans la continuité, quoi. Donc il faut conserver la vision globale. Tiens, ça c'est Natacha. Hop, il y a son. Ça marche peut-être mieux sur Facebook, je crois, sur Instagram. Bim, bim, bim. Et là, tu as toute la technologie, nanotechnologie qui se développe le long du corps et à la fin. T'as le petit logo qui apparaît en noir. Carrément. J'ai une question intéressante de Boost qui nous dit pour les idées de concept qui réclament du mouvement ou une animation, comment est-ce que tu fais passer l'idée? Parce que lui, il vient de l'anime et du coup, il a un peu du mal à synthétiser une idée de mouvement sur les concepts. Concepts et persos. Bah, il y a des choses qui peuvent, si c'est un développement dans le temps, avec une animation, tu peux pas le faire qu'avec un concept, tu peux suggérer. Parce qu'un keyframe ou des images comme je le fais, c'est un moment clé. Donc tu peux peut-être suggérer une impression un peu de mouvement avec des effets. Tiens, là, on me demandait en fait de trouver sur Ant-Man et la Guêpe, en fait, tu vois, avant que le script soit écrit, on était en pré-prod et de trouver des séquences où les pouvoirs pourraient s'exprimer. Donc là, tu vois, j'ai pris des Men in Black, en fait, lambda, et j'ai fait ma scène où j'ai conservé toutes les petites étapes, là, les petits dards de la Guêpe à l'écran. Par contre, après, il y a d'autres choses qui se font que bah, tu peux difficilement faire autrement qu'en storyboard. Là, j'avais fait une vidéo en fait où je m'étais fait plaisir, je l'avais bruité à la bouche. J'ai déjà fait ça pour Magic aussi, j'avais des vidéos comme ça de concept. Je bruite à la bouche où je prends du son et j'envoie mes petites vidéos à la fin. Là, tu vois, c'est une apparition de Ella qui avance. Ça m'arrive de me prendre en photo pour gagner du temps, même si je n'ai pas du tout les proportions de Cate Blanchett et je suis bien plus sexy qu'elle. Et là, tu vois, voilà, ces espèces de cornes qui se développent. Et l'idée, c'était qu'il y ait des mignons, des espèces de petites créatures qui se forment de ses extrémités. Du coup, j'ai pas mal bossé sur ce truc-là, voilà. Et là, par contre, en fait, là, j'ai passé beaucoup de temps. Il y a pas mal de rendus déjà.
Et après, en fait, ben, ils m'ont dit souvent qu'ils préféraient que je produise plus. Et j'essaie de voir si j'ai posté ça. Non? Que je Sur quoi, la produise vidéo? plus. Ouais, la vidéo, je sais plus où je l'ai mise, peut-être sur Elle était tout en Instagram. bas du post sur lequel t'étais? Ah merde, le Ouais. concombre. Sur Ella Powers, tu descends encore et alors on n'aura pas le son à la bouche parce que ça va pas passer sur le truc, mais. Ouais, puis j'avais foutu sur YouTube, tu vois, j'avais foutu la musique épique et j'avais essayé de timer. Voilà, ça donne pas grand-chose hormis mes blagues. Et Non, du c'est coup, bien. ouais, non, c'est étonnant. J'ai un gros paquet de séquenciers que j'avais fait sur Thor et du coup après sur les autres films, bah, j'ai continué où ils m'ont demandé parfois. Donc j'aime bien, ça me permet d'alterner. Comment dire? Tiens, voilà une autre. Hop, hop, et l'envoie un dard. Voilà, ça vend la cam, hein? Ouais, non, mais à fond, surtout avec le bruitage. Ouais, Bah, c'est l'essentiel. je pense que c'est ça. Bah, c'est 50% du film. Ouais. C'est des formats cinémascope, ça, normalement, à la base. Donc, c'est pour ça qu'il y a les boosts et Instagram, c'est coupé. Et tu vois, là, pareil, c'est l'idée. Comment elle pouvait créer ces mignons? Donc, là, l'idée, c'est qu'elle crée une lance qui se ressemble, enfin, la même technologie, enfin, pas la même technologie, mais même truc que ces petites cornes. Bim, elle te plante ça dans le sol. Ça crée des espèces de fissures, en fait, qui se répandent partout. Et là, il y a des trous. Et les bonhommes, les méchants, ils sortent des trous. C'est ça, c'est Après, ça. la même idée. Et donc là, c'est plutôt Nunchaku, espèce de fouet. Donc elle agite ses fouets avec la même technologie. Et là, elle va foutre un grand coup sur le sol. Et là, je reprends la même idée où elle a planté les germes. Et les petites créatures, en fait, elles émergent et elles sortent du truc. Donc tu vois là, l'idée par rapport à ta question, la personne qui te demandait par rapport au mouvement, bah, j'essaie de trouver l'équilibre entre c'est sympa, ça a de la gueule. Et parfois, il y a des séquences comme ça, ouais, je le tourne dans la journée, en fait. Donc il faut pas que il faut que ça soit suffisamment lisible, mais l'idée, tu vois, c'est qu'on comprenne le sens, et c'est ça qui nourrit la machine, quoi. Oh, j'en ai pas posté beaucoup parce qu'en fait j'en ai une chier de ça, quoi. Et puis après, bon, il y a les trucs plus récents ouais, des films que je ne peux pas encore montrer, mais très bientôt. Je serai très content. Et je vous Faut referai des patienter. petites vidéos bruitées à la bouche. Est-ce que Hervé nous demande, est-ce que la prod du film te fournit du stock pour aider? Du stock de quoi? Je suppose du stock d'images, du photobash, des choses Non, comme ça. quasiment jamais. Si, parfois, comme je dis, c'est rare. Si je bosse sur un perso, j'aurais pu reprendre Sorteur, mais c'était vraiment. J'ai quatre lignes, quoi. Après, démerde-toi. Donc, il y a une grosse partie du taf, c'est lire entre les lignes, comprendre à la fois l'esprit de la prod, du film, l'esprit Marvel, le ton du réalisateur. Un truc intéressant avec les films Marvel aussi, c'est comme une grosse série télé. Et donc la phase 1, là, on pourrait dire que c'est la saison 1, 22 films. Et en fait, tout raconte une histoire homogène qui se tient et qui aboutit à Endgame. Mais chaque épisode, il a un ton différent aussi. Si tu prends Captain America le premier, là, First Avenger, bah, c'est un truc un peu pulp, façon Indiana Jones. Ant-Man et la Guêpe, ou Ant-Man le premier, c'est un heist movie, tu vois, cambriolage, même la musique jazzy, machin vieux. Le film avec Dustin Hoffman, à Civil War, bah, il s'inscrit dans un film un peu plus années 70 politique. Et donc, du coup, ils ont chacun une saveur différente, mais enfin, il y a toujours cette homogénéité. Donc, à la fois, bah, tu vois, pareil, dès que je bosse sur un film, je vais voir le réal. Donc, parfois, j'ai pas sa filmo, j'ai pas vu les films, mais j'essaie de comprendre le ton qu'il a, comment il va s'inscrire dans le film, et à moi de creuser. Tu vois, Thor Ragnarok, le truc marrant, au début, je suis arrivé, je me suis dit. Ragnarok, c'est la fin du monde, ça va être l'apocalypse, il y a tout qui va péter, ça va être noir de chez noir. Quand tu vois le film au final, moi je le trouve très très réussi, je l'ai vu en salle, il y avait plein de gens qui se bidonnaient, j'avoue que j'ai été impressionné parce que je m'attendais pas à ça et j'ai l'impression que tous les 2 minutes il y avait une bonne vanne. Et je crois que je suis sorti, il y avait au moins une dizaine de vannes qui me sont restées, en fait, comique de situation ou super écriture de Taika Waititi, enfin je kiffe quoi. Mais tu vois le truc, enfin, pour ceux qui l'ont vu, c'est hyper baroque et c'est bariolé. Et du coup, Ragnarok, bah, c'est que dans le titre. Si, dans le fond du truc, il y a un gros. Pas une brisure, mais un truc énorme là, qui va bouleverser tous les Asgardiens, j'en raconte pas plus. Mais tu vois, au début, j'étais hyper sérieux quand j'ai commencé à bosser dessus, et plus ça a avancé, bah, plus j'ai commencé à capter l'esprit de Taika Waititi par rapport aux références qu'il envoyait. Il envoyait des dessins de Jack Kirby, ce genre de truc. Et du coup, bah ouais, c'était à moi de comprendre.
Je lis les commentaires. Mehdi qui est à la bourre. Hervé Oui, il y a un paquet de Grosso-Muro, commentaires au fur et à mesure. que je salue. Ah oui, les références et tout. Et non, pour ce qui est des acteurs, en fait, j'ai que dalle. Du coup, je dois me démerder avec tout ce qui est dispo sur le net et parfois essayer de choper des trucs dans des films en accéléré. Des fois, j'avoue, c'est galère, quoi. Comme je disais Ouais, tout à quand t'as l'heure, pas forcément tout. ouais, c'est ça. Quand t'as ta compo, t'as ton image qui est forte, qui est bien balancée, mais que tu dois trouver la putain d'image avec. Trouver le bon angle, trouver Ouais, c'est le. ça, ouais. Chris Evans qui est étonné, et puis Scarlett Johansson en contre-plongée qui fait la moue, et avec la bonne lumière aussi. C'est Parce ça. qu'après, tu peux repeindre un petit peu, mais c'est pas de la magie, c'est pas de la 3D. Ouais. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais... Voilà. C'est cool tout ça. C'est cool. Du coup, ouais, en remontant dans les questions, on a surtout eu des félicitations sur ton talent de bruiteur. Donc, je pense Eh ben, je qu'effectivement, vous on peut passer remercie. à la Ouais, c'est ma BD. deuxième. Ben voilà, j'ai choisi, tu vois, par rapport à la question sur la 3D. J'ai pas fait beaucoup de 3D, mais je travaille à la fois Le le son et bruitage l'image. sonore, le sound design, ouais, et puis les histoires. Alors, vas-y, qu'est-ce qui défile là? C'était carnet de croquis? Ça, c'était Patrick, mais je le faisais machinalement. Il faut que tu racontes l'histoire de Patrick, parce que je pense que là, il va avoir du succès. Alors, c'est un musicien que j'adore, qui s'appelle Igor. Enfin, c'est le nom du groupe, c'est Gauthier, le musicien. C'est la musique assez hard, difficile d'écoute pour certains. C'est du breakcore, il y a du Aphex Twin, de la musique électronique, énormément d'expérimentation, mais c'est à la fois très riche et hyper bien branlé. Moi, j'ai été vraiment super impressionné. Et je ne savais pas qui était le gars, je lui ai écrit. En plus, il était français, donc bah voilà, on a pu se rencontrer. Et dans une de ses interviews, il racontait un truc super drôle, c'est que c'est pas lui qui faisait sa musique, mais c'est son poulet Patrick. Et du coup, il y a 2 ans, je me suis dit, bah tiens, j'ai kiffé de faire Inktober. Je pense que tout le monde connaît les gens d'ici, là, Bah, Inktober. normalement, Inktober, ça parle à tout le monde. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire les aventures de Patrick. Et le truc drôle, c'est que je me suis dit, chaque soir, bah pareil, j'essaye d'être dans l'esprit de Igor, en fait, parce que j'adore. Il y a un truc chez lui, c'est aussi le côté, comment dire, pas faire du boulot de commande. Moi, je fonctionne beaucoup à la commande, tu vois, donc c'est pas forcément mes idées à moi. Là, j'ai justement à côté mon projet BD, où ça, c'est vraiment perso. C'est des choses qui me touchent plus. Quand je bosse sur un projet, j'y amène aussi ma sensibilité, tout ça, mais c'est pas. Je fais du boulot de commande malgré tout. Et chez lui, il y a un côté, ouais, de liberté, ouais, moi, qui m'avait marqué, enfin, super balèze. Du coup, je m'étais dit, chaque soir, j'essaye de faire un Patrick différent avec une technique différente. Et en fait, c'est super rigolo parce que il y a plein d'Inktober que j'ai pas fait. Et là, en fait, je kiffais. J'avais du taf, en fait, mais tu vois, je kiffais de rentrer le soir ou de commencer le matin avec mon putain de poulet, ma putain de version de Patrick. Et je trouvais ça, limite, c'était, ouais, pas le truc qui me tenait la journée, mais On est pas loin quand assez même. excitant. Et du coup, j'ai commencé à écrire une histoire sur Patrick et tous les aléas internes qui fait les crises d'épilepsie. Patrick Leroy. Bon, désolé, là, les images sont pas. Patrick 4 couleurs, là, avec un bic. Donc, c'était marrant aussi. Il y a le petit côté expérimentation, revenir, bah, pas forcément qu'en digital, mais revenir à quelque chose à la main. Patrick qui a des envies de musique, donc il a envie de chanter, mais il a quand même beaucoup de tourments intérieurs. Beaucoup de tourments intérieurs. Il se pose des questions sur sa place dans l'univers. Ça, c'est un des pires cauchemars de Patrick. Ça, c'est le deuxième pire cauchemar de Patrick. Ça ne veut plus. Mais on est peut-être au bout. Non, il n'y en avait plus, en On fait. est arrivé au bout de la vie de Patrick, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Bah, ça, c'est celui-là, il fait écho à celui-là. Et l'idée, c'était que tu peux découper la tête. Donc là, tu découpes la tête de poulet. Et tu peux la replacer sur cette jeune femme. Enfin, la tête du poulet sur le poulet et la tête sur autre truc. Là, il repense à son grand-père, à son héritage. Et à la fin, si j'ai le truc, il partait en mission. Donc là, il renaît tel le phénix après Phoenix. s'être posé toutes ces questions. Et il se prend pour un super-héros. Ça, c'est un truc rigolo, c'est que j'ai repris. En fait, dans Igor, le projet aussi, c'est que il y a une chanteuse et un chanteur. Le chanteur est plutôt typé black metal et la chanteuse baroque super haut, enfin opératique, quoi, opéra. Et du coup, j'ai repris. Et en fait, ils ont inventé un langage un peu comme Magma. C'est un langage qui n'existe pas. Mais du coup, par contre, tu as tous les titres. Et il y a parfois plein, plein de samples. Je crois qu'il y a un morceau qui me fascinait. J'ai essayé de galérer pour retrouver d'où venait le sample, tout ça. Et donc là, en fait, tu vois, il y a le petit poulet qui court à. Hein, et hop, ah si. Attends, non, je tournais l'image, ça l'a pas fait. Ah si, voilà.
Et tu vois, il y a tout le petit poulet comme s'il avait écrit, en fait, laissé ses empreintes avec toute cette histoire. Et c'est tous les bouts de samples ou les morceaux. Voilà, si tu veux un aperçu de Igor. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est merveilleux d'être libre. J'ai choisi la vie. Père de Jésus, il donnait une espèce de chronologie, de rythme. Ça, c'est le poulet de Vitruve. Il en a fait un t-shirt, d'ailleurs, Igor, c'était assez cool. Et donc là, il part à l'aventure, c'était la fin au final, parce qu'il veut monter un groupe de musique. Là, il va rencontrer un petit moineau. Il y a un morceau qui s'appelle Petit Moineau, là, pour les connaisseurs. Une superbe fée, c'est la chanteuse. Un espèce d'ogre au fond des bois, bah, c'est le chanteur. La machine à batterie, là, c'était le batteur. Et après, une espèce de stèle, bah, là, c'est Gauthier, le leader du truc. Je crois que j'avais fini avec une autre image. Voilà pour les histoires de Patrick. Et pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller voir à Sonate un morceau où Igor a pris son poulet Patrick dans le jardin, il a mis un petit piano pour enfant, des graines sur le clavier, C'est ça, il a fait ouais. une prise de son. My Chicken Symphony qui a été partagé par Yamak, justement, Ah bah voilà, qui parfait. hurle Patrick. Ah oui, non, là il a partagé My Chicken Symphony et il y a aussi la Chicken Sonata. Donc, au choix. Yes, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à raconter d'intéressant? Oh, des tonnes de trucs sûrement. Après, c'est à toi de voir si tu veux te remettre au taf que tu procrastines ou pas. Est-ce que tu procrastines, toi? Ouais, j'ai du mal à répondre à la question, je pense pas trop, parce qu'aussi c'est juste j'étais un petit peu boulimique, je pense que si tu regardes juste, c'est juste état de fait, hein. C'est pas, je me mets pas en avant de ça, mais regarde tout ce que j'ai fait dans la vie jusqu'à maintenant et tout, je pense que j'ai vraiment comment dire, maintenant peut-être un petit peu moins, ou oh, quoique différemment, mais non, mais je pense que j'ai produit énormément en fait de tous les côtés, ouais, que ce soit en illus, en BD, en comics, en jeux vidéo, monter la boîte Dontnod, là qui où je suis resté je sais plus, peut-être 8 ans là avec notre projet Remember Me, ensuite le cinéma, mon projet BD, tout ça. Je disais, la vie est courte et tout. Parfois, j'ai un petit peu du mal, tu vois. C'est toujours un petit peu dur de se motiver. Peut-être encore plus sur des projets perso. Voilà, encore une fois, je repense à ma BD, puisque j'ai pas d'éditeur pour l'instant, mais j'en cherche pas. Et je voudrais juste faire un truc de qualité, avancer au max. Mais j'avance à côté du taf. Donc, j'ai pris du temps un petit peu sabbatique là pour avancer. Mais c'est toujours un petit peu dur. Et non, je l'expliquais tout à l'heure par rapport à la procrastination à la journée. Je me fais mes petites listes quand je peux. J'essaie de préparer le travail en avance et quand j'arrive au taf devant mon écran, je perds pas de temps et c'est bim, je me mets direct. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais où tu dois aller, et tu sais que du coup t'en sors pas tant que t'es plutôt du genre à pas sortir tant que t'as fini ou Non, parce qu'avec le temps, je me dis que merde, je vais pas passer la nuit. Quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être chevalier, non pas chevalier, comme on dit, conquérant. Et si, quand il y a un taf à faire, je le fais, j'en fais des fois plus et tout, mais plus le temps avance, plus je me rends compte, tu vois. On t'appelle pour une pub, et le pitch, il est pour lundi. Ils te disent, il y a 2 jours de taf. Il te le donne vendredi. Tu commences le premier jour, en fait, et le brief, il arrive à 13h, et ils veulent que t'appelles les réalisateurs pour qu'ils briefent tout ça. Ils n'ont rien mis à plat, mais t'as déjà perdu une demi-journée presque. Et tu te rends compte quand le brief arrive qu'il y a je sais pas combien d'éléments, que c'est pas une image, c'est pas un concept design de perso, et il n'y a pas 2 jours de boulot. Tu vas y passer le week-end si tu acceptes le truc. Et là, tu te dis, les mecs dans les bureaux, ils ont super mal calculé, je pense qu'ils n'ont pas le même salaire, qu'ils s'en battent les couilles, qu'ils n'en ont rien à foutre. Tu sais, il y a cet adage aussi chez les graphistes, le truc t'envoie un 8 transfert, et c'est cool là quand t'as le reçu. Et c'est urgent, urgent, et tu te rends compte que le 8 transfert, il arrive une semaine après. C'est Donc ça. on se calme et tout. Après, je te dis non, quand j'ai une couve à faire, ou même avec Marvel, là, c'est évident que quand il y a une réu, bah, j'ai ma date de rendu. Et je sais qu'à 17h pour moi, ou heure Los Angeles, là, il y a une réu de ça. Donc il faut que j'ai préparé tous mes fichiers, que tout soit transmis, que j'ai fait le maximum. Donc, Ouais, c'est ça. Et Clément nous demande, est-ce que tu comptes continuer les interviews et podcasts que tu as fait pendant le confinement sur Instagram? Bah, j'ai complètement arrêté après, mais on en a parlé avec Patrice de Yamak justement, parce que c'est un truc. Bon, pour la petite histoire, c'est que je me suis dit, ah tiens, le confinement, c'est. Voilà, on se fait un peu chier quand même. Moi, j'avais grave de boulot et tout, mais je voulais faire un truc marrant. Quelqu'un m'avait interviewé sur Instagram, et j'ai dit, ah bah tiens, je vais faire la même chose, mais avec mes potes. Et du coup, j'ai essayé de commencer à explorer.
J'en ai fait un avec Jean-Luc Cano, scénariste, Jérémy, qui est chef d'éco cinéma, Charles, John Banana, qui est producteur, animateur, enfin, qui est un studio de 3D, et puis Talal aussi, qui est un pote réalisateur live, quoi. Du coup, c'était super agréable. Et du coup, bah, voir, ouais, je crois qu'on en reparlera, là, s'il y a moyen de faire ça. Comment dire, s'il y a une petite plateforme et tout, là, je fais mon journaliste, comme toi, tu vois. C'est Et ça. sauf que là, c'est pas moi. Si je parle aussi, c'est une espèce de discussion à deux, pas C'est ça, double sens, mais c'est entre ça. moi. Ouais, y a moyen d'avoir un échange comme ça et de découvrir et de faire découvrir en fait. C'est ça qui est intéressant parce que on s'en parlait en préparation. Genre, est-ce que les gens qui viennent voir la session aujourd'hui ont déjà vu la session précédente où t'avais un petit peu présenté tout ça. Est-ce qu'ils ont lu la gigantesque interview que t'as réalisée sur Yamag? Est-ce qu'ils ont l'artbook, etc. Il y a toujours sur ce genre de boulot, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Est-ce que c'est quelqu'un que tout le monde connaît par cœur? Est-ce que tout le monde le découvre? Est-ce que voilà, c'est ce qu'on propose à chaque fois. Tout à fait, comme vous. Tout à fait. Je remets le lien de l'interview parce qu'elle est bien dense. Ouais, c'était une sorte d'interview carrière là par Marine Mac. Ouais. Sur ce que. Ouais, bah un petit peu, voilà, oui, tout mon parcours. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Bon, ça me dérange pas trop parce que c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé pas mal, j'ai l'impression. Les illustres au début, ensuite le jeu vidéo, ensuite un petit peu tout. Bah écoute. Je regarde ce que j'ai en fond d'écran là. Nous aussi. Ça, c'était marrant. Ça, j'ai kiffé. C'était en pré-prod de Ant-Man et la Guêpe. Et en gros, le brief, c'était Quality Time entre Ant-Man, donc joué par Paul Rudd, et puis sa petite fille. Et donc, ils s'amusent et ils ont rapetissé tout ça. Si vous avez vu le film, c'est pas du tout. La séquence a complètement évolué. Mais encore une fois, ça me fait chier, moi, qu'il n'y ait pas cette séquence-là exactement. Mais Mais l'idée de je sais que ça base. nourrit, ça a pris une autre forme, voilà, il joue avec sa gamine, une autre façon, tout ça. Et là, par exemple, quand je travaille là-dessus, en fait, le truc rigolo, c'est que j'ai aucune information. C'est-à-dire, en fait, je m'étais posé la question, c'est en extérieur, en intérieur, ils sont dans le jardin. Donc, je savais juste, en fait, l'idée, c'était la piste, c'était ils font une course avec des Des cochons d'Inde, hamsters. des hamsters, ouais. Et du coup, démerde-toi avec ça. Du coup, est-ce que c'est en intérieur, extérieur, quelle lumière, tout ça? Bon, après, j'ai une autre info, c'est qu'en fait, la femme, l'ex-femme de Paul Rudd, comment il s'appelle l'acteur, enfin le personnage, Scott Lang, elle est partie en fait dîner avec un autre gars, son nouveau mari, qui s'avère être flic. Et du coup, toute la thématique de Ant-Man, comme je le disais, en fait, le premier, c'est l'essence. Donc, c'est à moi de lire entre les lignes. Là, je te dis, c'est une synthèse que je me fais. Hein. C'est un film de cambriolage, en fait. Et Ant-Man, il a une particularité, c'est qu'il commence le début du film, il est en prison, il va y retourner un moment. L'enquête, elle est menée par le mari de C'est ça. son ex-femme. Du coup, c'est clair que ça a un rôle, enfin, qu'il y a une importance en fait là-dessus. Donc, c'est toujours, enfin, on joue toujours sur l'équilibre entre justicier, il a fait des conneries, voilà quoi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais te faire un truc bah, super coloré et une bagnole de Playmobil. Et là, en fait, je le voyais trop passer, tu vois, avec son hamster et kicker un Et flic écrasé. Playmobil. Voilà, où on a toujours encore ce référent, tu vois, où ça fait partie de lui. Et je viens souligner un trait de caractère, en fait, du personnage. Ça, c'est cool, tu vois, à développer. Ça, pareil, c'était une première séquence qui reste un petit peu dans le film. C'était un des trucs qui est le plus proche. C'était, en gros, je savais qu'il fallait que j'explore les. C'était même pas clair, mais comme je te dis, lire entre les lignes, tout ça, les pouvoirs de Ant-Man. En fait, si tu regardes le premier film, il se rapetisse à la taille d'une fourmi. Dans Civil War, il devient géant, donc le paradigme est complètement inversé. Du coup, qu'est-ce qui reste à faire? Il faut proposer des choses un peu nouvelles. Donc, je me suis dit, ça peut être la taille d'un Big Jim, ça peut être la taille d'un petit G.I. Joe, d'un petit jouet, ça peut être la taille 1 m 20, la taille d'un enfant, mais avec des proportions différentes, 4 mètres. Du coup, là, je suis parti sur la taille d'un enfant, et je me suis dit, bah tiens, il rentre dans une école pour semer des Men in Black. Donc, pareil, tu vois, mon job, c'est j'ai pas le scénario, il est encore en écriture, je sais pas qui sont les ennemis, donc je vais pas me faire chier à designer, à perdre du temps. À faire des mecs en armure de combat, tout ça et tout. Donc, je prends le dénominateur commun, l'archétype, les mecs en costard noir avec des flingues. Et Je me c'est suis suffisant amusé. pour raconter l'histoire et pour Exactement, voilà. Pas besoin de faire plus. Et puis, c'est, enfin, je vais pas perdre du temps. C'est mieux que je produise une autre image après. Et il y a l'essentiel. Là, je me suis juste amusé dans tous les décors que je faisais à placer des trucs de fourmis. Tu vois, là, comme s'il y a une espèce de fresque, comme si les gamins avaient fait une fourmi sur le truc. Et donc l'idée c'est que Ant-Man se casse, bah, face caméra, il leur tourne le dos,
Et il a la silhouette d'un gamin là, avec sa Avec doudoune, sa même parka si les rouge. même si les proportions sont pas exactement les mêmes. Et l'idée, elle m'est venue, je crois, d'un film de, ouais, on pourrait dire d'horreur, ouais, de David Cronenberg, qui m'avait marqué quand j'étais môme, qui s'appelle The Breed en anglais et Chromosome 3 en français. Je peux pas comprendre, enfin, il n'y a pas d'explication à la À la traduction du traduction, titre. ça arrive. Ouais. Ils ont fait n'importe quoi. Il y avait une séquence super marquante avec des gamins, avec des becs de lièvre, en fait, monstrueux, qui rentrent dans une école maternelle et ils rentrent avec leur doudoune et c'est seulement quand ils enlèvent la doudoune que tu te rends compte que c'est des monstres et ils vont foutre la maîtresse d'école en charpie. Et ça m'avait marqué. Du coup, là, c'est pas aussi négatif, aussi noir, mais la référence venait de là. Il y a peut-être encore une autre, là. Ah ouais, ça. Ça, c'était la suite, en fait. C'était un petit peu délicat, on le voit à peine, mais c'est eux qui m'ont demandé des trucs. C'est que t'as la mère qui appelle la petite fille, elle répond au téléphone, et là, tu vois qu'il y a le père qui est en train de repousser le cochon d'Inde géant. Mais du coup, on le voit à peine. C'est ce qu'ils m'avaient demandé. J'avais fait une version plus explicite avant, et ils m'ont dit non, masque le truc. En fait, t'imagines juste le père qui est en train de repousser super rapidement, t'as pas bien vu, tu sais pas sûr ce que c'est, et tu te dis, mais il y a un truc super chelou là. C'est quoi le monstre énorme? Bah, c'est le petit. C'est Ils ont le gros rapetissé, donc hamster, c'est. ouais. Ouais, c'est le gros hamster, le hamster géant. Il y a Ronan qui nous demande, avec le recul et de ton point de vue de gamin, ça fait quoi de bosser sur les plus grosses franchises de la pop culture mondiale? Magic, Marvel. Bah ouais, c'est cool, hein. Je vais pas me plaindre, c'est méga génial. Oui, c'était tout ce que je rêvais. Toi, des fois, je me demande qu'est-ce que je me dirais ou comment je me verrais si j'étais plus jeune ou petit. Je pense que j'étais dans une dynamique, j'en voulais tout ça, mais je suis pas sûr que. Ouais, il devait y avoir une partie de mon cerveau qui disait, mec, ça va le faire, tu vas y arriver. Je sais pas exactement où. Puis une autre, bah non, ça paraissait intouchable. Donc ouais, il y a plein de trucs qui ont trait au rêve d'enfant, là, bosser sur Avengers Endgame, tout sur tous ces persos-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai commencé à dessiner en grande partie les X-Men avec la revue française Strange, tout ça, là. Et du coup, bah oui, le kiff, je crois que je fantasmais déjà à l'époque de les voir, les imaginer en vrai, donc en live dans un film. Donc ouais, t'as fait dessus, c'est énorme. Après, par contre, la réalité autre, c'est que bah, y a beaucoup de pression. Parfois, c'est dur, c'est super cool et tout, tu vois, je kiffe. Mais comme je te dis, il y a des trucs qui sont foutus à la poubelle, il y a des fois bah, galère, tout ça. Enfin, c'est un boulot quand même. Tu sais, je me lève pas le matin en faisant exactement ce que je veux. Ça. Mais bon, c'est quand même méga cool. Bah écoute, méga cool, ça me semble être un bon mot de la fin pour cette session. Comment ça mescale? Pourquoi Fred Vigneault nous parle de mescale? Est-ce qu'il a soif? Ah non, c'est parce que Patrice nous dit qu'il est mesquin. Voilà. Mais méga cool, mais pas tous les jours le matin, faut effectivement temporiser. Beaucoup de travail en tout cas. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Bah avec Je plaisir, c'était suis cool. fort content d'avoir pu justement rentrer dans les méandres et dans les arcanes de ton cerveau, savoir un peu ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu y racontes? J'ai pas dessiné, donc désolé pour les gens. Ouais, mais du dessin à toi, t'en as quand même rempli ton art session. S'ils n'ont pas vu ce qu'ils voulaient, ils continuent de gratter là-dessus. Est-ce que t'as fait d'ailleurs des trucs genre Twitch, masterclass, où tu fais que dessiner? En live, tu veux dire Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai jamais fait, j'ai jamais mis en place. Peut-être ça pourrait être rigolo, mais ouais, je sais pas. Et Hervé Nuro nous dit déjà à l'époque de Café Salé, t'en parlais et déjà tu aimais avoir des poses très Marvel dans Dans tes la vraie dessins. vie, quand je posais tel Captain America, Ah, peut-être. c'est ça où je jouais. Je jouais. C'est Mais ça faisait pas trop, en fait, dommage pour moi. ça, c'est. Ouais, non, il y a toujours ça et tout. Après, je t'avoue, là aussi, l'autre truc, c'est que. En ce moment, j'ai plusieurs autres projets à côté. C'est toujours cet équilibre entre, j'en ai parlé tout à l'heure, là, être un rouage de la machine. Quand on bosse sur un projet, voilà, on est tous un petit peu. Puis il y a des gens qui se réalisent très bien à travers ça. Et moi, il y a ce petit côté, en fait, bah, où des fois, t'encaisses un petit peu dur. Et là, j'ai mon projet de BD à côté et j'essaye, dès que j'ai du temps libre, ou de ménager du temps pour avancer dessus. Des fois, c'est un peu dur, là, parce que je sais que ça va être c'est un boulot énorme et du coup, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas un travail, pardon. Une commande, mais c'est un truc que je veux voir aboutir et donc bah pareil, il faut que je me force des fois, il faut que je me mette au boulot, il faut que j'avance dessus, sinon la personne ne fera pour moi. Donc voilà. Bah écoute, merci, merci beaucoup, et de toute façon, tout le monde est très content d'avoir Et eu ben du c'est talk et pas merveilleux. que du dessin, et tout va bien. Et ben voilà, c'est Voilà. génial. Merci à Bon toi, ben un gros bisou à merci. tous. Ouais, merci à tous dans le chat, vous avez été très cool et on a bien échangé. C'était une très bonne chose.
Et puis on se retrouve nous dès lundi à 14h en direct du canap. Attention, mardi vous êtes tous en vacances. Et on continue mercredi, jeudi, vendredi. On a pas mal de monde la semaine prochaine. C'est toujours donc à la fois sur YouTube, à la fois sur beyonds.net/live/fr. Et merci encore à Yamag et à l'équipe Yamag, Patrice, Ouais, Benjamin, carrément. d'avoir pu organiser ça pour nous, parce que c'est très précieux, je pense. Voilà, allez, à très bientôt, bye bye. À très bientôt. Ciao, ciao.